Merci Bamna pour les 7 mois. Paul Argo pour le Prime, bienvenue mec. Astérion, ouais, Astérion a répondu. Bon, le problème qu'il y a là, si Bah, tu viens Astérion il vient. d'enculer. J'arrive pas à me désabonner. Eh ben tant pis pour toi, bien fait pour toi, te désabonne pas. Dites-vous là, il y a des bouffons, ils sont abonnés. Hein. Ils sont abonnés sans le savoir, et ça veut dire qu'ils ont oublié et tous les mois ils se font enlever 4 euros là. Et ils le savent pas. Chut. Leur dites pas, leur dites pas. Leur dites pas, mec, s'il vous plaît. C'est le badge des 2 ans. Ah, attaquer l'âge. Bon, allez, ça commence, les psychopathes. On leur dit quoi aux psychopathes? On leur dit quoi, le chat, aux psychopathes qui demandent mon âge, mon travail, ma taille de queue? On leur dit. Bon, je suis tout seul à le faire pour l'instant, mais vous allez voir, après, ça va le faire. Va te Attends. faire Ok, enculer. ça, bon, ça le fait. J'ai jamais voulu renouveler mon moi. Eh, c'est bon quand il y a un psychopathe comme ça, là. Frère, c'est la Va te première faire fois. enculer. Merci. MONKE. Merci Gaspard pour le sub, merci pour les 20 mois, merci beaucoup mec, là depuis longtemps. Hein. Tellement je te connais Gaspard, je t'appelle Gaspard, tu te rends compte? Dans les autres chats, ça t'appelle le Drapsag, on est passé à autre chose. Merci Jean Lescure pour les 3 mois, merci petit chien du gâteau. Hein, parce que je commence à en avoir marre, hein, des questions pourries comme ça. C'est quoi votre problème là? Genre vous allez sur un chat, pourquoi vous me demandez mon âge en fait? Ça vous fait quoi? C'est même pas que je veux pas répondre, c'est que je trouve ça trop bizarre en fait. Va te faire enculer! C'est la première fois qu'il vient sur mon chat, le mec il me demande mon âge. Tu sais que ça c'est sur coco.fr qu'on fait ça. Hein. Attendez, faut que je vous montre un truc. Bon, ceux qui me suivent sur Twitter, Potatoes, là, j'ai mis une vidéo. Attends, je vais vous screener ça. Il n'y a rien sur Twitter, là, faut que je fasse gaffe. Ok. Il n'y a rien, je crois. Ok. Attends, je vous fais la capture de. Oui, j'ai 42 ans. Capture d'écran, on va la mettre comme ça. Attendez, je rogne un peu parce que. C'est ça le problème. Avec Twitter, c'est que c'est l'interface est énorme, alors que la moitié c'est que des infos. Théma, je réponds au tweet de Yann Izim, un des plus grands tweetos de France, je le rappelle. Désolé, j'ai mis le truc. Donc je montre que mon chat il s'appelle Karim Benzema, le classique. Hein. Vous le connaissez, Karim, mon bon Karim, qui va avoir le ballon d'or cette année. Donc je poste, en dessous il y a un mec qui me fait, on aurait dit, il parlait à une meuf, genre, il notait là, il dit, un peu maigrichon. En fait ça avec sa pépé de pervers sexuel. On dirait quand les... Mon chat il est très bien. Bon j'avoue il est... Après il a qu'un an et demi, hein. Ça faisait trop le pervers sexuel. Un peu maigrichon, un petit peu petit les seins quand même, hein, madame là. Ah, je sais pas, moi, après, Va te faire il enculer. bouffe pas beaucoup, mon chat, Donc donc. ton chat va avoir le ballon d'or cette année? Eh bien sûr, bah, tu le sais très bien. T'as un peu de retard, toi, hein, parce que c'est depuis longtemps qu'on le sait. Non, mais je sais pas. Après, mon chat, il bouffe pas tant que ça. Je l'ai pas, il est pas encore. Comment on dit? Il est pas castré, là. Vous avez des chats, quand vous les avez castrés, ils ont direct grossi ou ça a mis du temps, genre? Parce qu'il y a le. Il y a le truc de quand tu coupes les couilles à ton chat, il grossit direct. Mais c'est vrai ou pas? Parce que bon, j'ai pas envie d'avoir un tas à la maison. Ouais, il a pas du tout grossi. Ouais, ça dépend des chats en fait. Ça dépend des chats. Après, le problème, c'est qu'il y en a certains ici dans le chat, ils donnent des mottes de beurre à la place de croquettes Va à te leur faire chat. Donc tu enculer. m'étonnes. Merci Cyril pour le 10e mois. Merci Locostaco Suprême pour les 10 mois. Pandoc pour les 3 mois. Putain, après je vais allumer mon. J'ai mis une application pour capturer mon téléphone sur OBS. Après, je vous montre un truc. Je vous montre un truc. Quand tu les opères, les mâles ont une poche primordiale qui commence à se développer. Ah, mais c'est la boule de graisse, ça. À l'ancienne, j'avais un chat, on l'appelait boule de graisse. BDG, on l'appelait. Pour ça, quand sur Twitter ça dit BDG, pour moi, c'est pas Bander, mais c'est boule de graisse. Pourquoi? Non, mais. Prévenez-moi quand j'ai un filtre là. Franchement. Franchement. J'ai eu Zizou, il a détesté ton message. Bah non, il a dit que c'était sympa. Il l'a dit à Téléfoot, espèce de bouffon. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah. Non, moi, c'était mon grand frère. Il donnait des.
Il donnait du beurre à mon chat. Il donnait du beurre. Ah putain, le classique. Tu sais, est-ce que vous avez déjà eu un chat qui est parti pendant longtemps là? Ça me choque ça. Moi j'avais eu un chat. Je regarde là parce que je réfléchis en fait. Un chat. Et il était parti bien 2 ans. 2 ans, il est revenu après 2 ans. On avait halluciné. Genre. Je sais même pas où il était allé. Il était tout maigre. C'est fou, il y en a, comment ils font quoi? Plus s'il était maigre, ça veut dire que. Ça veut dire que bah il se nourrissait pas bien. Donc ça veut pas dire qu'il était allé chez un voisin et il habitait chez un voisin. C'est-à-dire qu'il se nourrissait dans la nature. Donc c'est bizarre. Mais oui, non mais je vous jure, c'est pas un mytho. De toute façon, en mode c'est je gratte des likes là. En mode c'est un tweet. Moi ça avait arrêté 2 ans. Show potatoes walnut œuf. Oh la mini-motiteuf. Non, la mini-motiteuf. C'est qui le streamer comme Istimote? La chance, il a des emotes. Il a que des emotes titeuf, il a Hugo. Il a Jean-Claude. Oh là là, on va lui voler l'idée. Désolé, mais je vais voler son idée. J'en ai rien à foutre, je vais mettre des titeufs. Je vais mettre des titeufs qui dit bonjour. Oh la classe. Très très bien dit, le pangola du matin là. Ah non, du malin. Va te faire enculer. Chaud. Très bien dit. Oh, j'ai trop mal au dos par contre. Ça doit être Regno, non? Bah non, c'est pas Regno. Allez, va te faire foutre. Allez, remis en place. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont allés voir Buzz l'éclair, là. Il paraît qu'il est tout pourri. Moi, j'ai pas envie de le voir. Point com. J'ai pas envie d'aller le voir. Point com. Hugo délire ta gueule. En plus, c'est la voix de François Civil, là. Comme avec la bande-annonce, là. Ce qu'on vu le tweet de Botch, là, le mec qui fait les vidéos, il était mieux doublé que sur le film. Désolé, j'ai bouffé avant de démarrer le live, donc normal si je rote. Plus je suis assis comme une merde. J'en ai rien à foutre, c'est pas moi qui le dis. Je te ferai. C'est d'accord. Je te ferai confiance. Mais uniquement si tu acceptes de avec me faire le RECHAUSFEMENT climatique, il pleut des grenouilles comme dans Magnolia. Est-ce que tu peux te la fermer, sale connard, va? Est-ce que tu peux te la fermer? Je suis en train de regarder une vidéo et toi tu te la ramènes là avec ton message pourri que personne n'aime. Ah, celle-là, là, le doublage. C'est d'accord. Je te ferai confiance. Mais uniquement si tu acceptes de me faire une turlute. Ma vie dit, vous étiez pas pédé. Il ne s'agit pas de sexe, car il s'agit de confiance. Une épreuve. Il est super bien noblé, hein. En vrai. C'est abusé. Je sais pas qui lui a fait, mais. Très bien foutu. Ah, bon, on a les. Comme d'habitude, le chat de Yass encore qui met des points d'interrogation quand il y a le P-word. Je suis même pas sûr que c'est. De toute façon, avec Théa, je crois pas que c'est bannissable le P-Word en plus. Ça vient d'un autre film. Théa qui fait son premier de la classe. Théa, si tu veux faire le premier de la classe, on va sur Fall Guys après. Et on se défonce la gueule. Ah, c'est quel film du coup? Et du coup, c'est quel film? Parce que Théa, il a dit c'est un autre film. C'est quel film? Team America, je m'en fous. Faudrait que je mette l'emote nerd là. La vidéo là, américaine. Là. Truc America par les réels. Putain, mais va te faire foutre, Théa. Monsieur Chetou là. Monsieur Chetou. Bon. Hop. C'est quoi votre. Ah, ok, les gars. J'avais envie là, parce que j'ai pas envie d'aller direct sur Fall Guys là. Venez, je dis un handicap et vous venez vocal et vous en dites un. Et je me fous de votre gueule. banco ou pas? mon premier handicap, c'est que je suis beau gosse déjà. Ça, c'est un handicap qui me suit tous les jours. Tous les jours, ça m'arrête dans le bus, encore hier. C'est pas un pull, c'est un t-shirt. Il faudrait que je le voie Elvis aussi. Non, à vrai, vous avez des handicaps ou pas là?
Est-ce qu'il y en a qui ont des handicaps, mais petits, genre, bon, non, mais cassez pas l'ambiance si vous êtes en fauteuil roulant et que vous avez une vie compliquée. Hein. Il y a des petits handicaps que je dis. Hein. J'ai pas envie que ça parte on commence à chialer en live. Hein. Non, mais gardez-les. Venez vocal les raconter, c'est bon, je vais pas vous tuer. On va aller sur l'after ciné, je pense. Vous me les dites vocal. Qui est chaud pour les dire vocal, là? Et qui sont chauds les dire vocal? De toute façon, on vous connaît pas, hein, les gars. Non, si vous avez des handicaps rares, là, qu'on connaît pas, je sais plus si c'était quoi. Il y en a un récemment que j'ai découvert. Putain, c'était quoi? Ah, je l'ai vu sur Twitter. Bon, vous allez dans After Ciné et vous allez... Attends, je vais vous donner le lien dans le chat. Tiens. Vous allez dans After Ciné, là. Vous allez dans After Ciné et vous venez. Moi, je vous raconte le mien en attendant. Mais le mien, il est pas, c'est pas un handicap pas connu ou rare. Hein. C'est juste, je vous explique le truc qui me fait... Ça me fait chier à des moments... À des moments de ma vie. En gros, on commence à devenir personnel, là, Radio Pota. En gros, y a le, je sais pas si vous, il y en a, il y a des youtubeurs qui l'ont. Attendez, on regarde si vous devinez. Il y a des youtubeurs qui l'ont. Alors c'est pas la maladie de je dire suis tellement des pieds, je dois changer de chaussettes 2 ou 3 fois par jour. Non mais on t'a dit de venir vocal, je m'en fous que tu le dises par le truc. Merci Vidéo Club pour les 10 mois, Corvus pour les 7 mois, TLBZ pour les 10 mois, Slasher pour les 16 mois. Non, c'est pas ce que vous dites là. C'est pas ce que vous dites. Non, c'est pas ça. Je vous donne un autre indice, Durandal il l'a. Il y en a, ils vont trouver. Faudrait que je mette Durandal il l'a. Putain, après, il faut que je vous parle d'un concept. Alors, il y en a qui vont se faire ban, je crois, du chat là, parce que Chico pourri. Il y en a, ils le trouvent pas. En gros, je vous explique, j'ai une pelade. Je sais pas si vous connaissez. Mais là, j'en ai plus depuis... ça fait 3 ans maintenant, j'en ai plus. Je vous explique. En gros, une pelade, c'est... en vrai, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant, mais depuis que je l'ai traité, j'ai plus rien. En gros... les photos. Non, je vous jure, c'est pas aussi abusé que les photos. Il y en a, tu cherches sur Google, c'est abusé. Non, il y en a, c'est Verdun. Il y en a, c'est Verdun. Il y en a, c'est Verdun. Attends, je vous montre un peu. Je vous montre. Va te faire mais en fait, il y en a différents. Il y a différents trucs de pelade. Celle sur Google, là, c'est vraiment celle abusée, genre. Celle sur Google, c'est vraiment celle abusée. Celle-là, là. Bon. Bon, là, c'est vraiment extrême, là. Là, c'est vraiment extrême. Dites-vous, j'en ai... en gros, moi, quand j'en ai eu... Vas-y, c'est dégueulasse. On va mettre ça. Moi, j'ai eu 2-3 trucs dans les cheveux. Et c'était... La première fois que j'ai vu, c'était en première. Donc, dites-vous, en première, un trou dans les cheveux, c'était une catastrophe pour moi. Mais vraiment la catastrophe. Hein. Je vous le dis, c'est... Parce que c'est trop anomalie, tu sais. T'as l'impression d'être irradié ou quoi que ce soit. En plus, deuxième problème, c'est que la pelade, ce n'est pas vraiment... Un truc qui peut soigner complètement, genre. C'est-à-dire que la pelade, c'est un truc, genre... Tu vas voir le dermato, il te dit, bah tiens, mettez cette crème. Mais c'est pas un truc qui se soigne de ouf. Et il y a pas... Il y a 300 causes. Chaque docteur va te dire, oui, c'est le stress. Non, c'est par rapport, c'est héréditaire. Non, c'est machin. Non, c'est psychologique. Non, c'est par rapport au corps. En gros, c'est un truc chiant. Durandal aussi, il l'a parce qu'il l'avait dit dans une vidéo. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, ah oui, il l'a aussi en fait. Et en gros, c'est ce qu'a Edouard Philippe. Et vous voyez, ça, c'est un autre truc de pelade.
Édouard Philippe, là, vous savez pourquoi, parce que, pourquoi il a la barre blanche et tout? Parce qu'il y a des zones, en gros, où ça lui... Ah non, je crois que c'est le vitiligo, lui. Ah non, peut-être je confonds. Non, non, je confonds. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a, ils l'ont. Et genre, quand ça repousse, c'est blanc, les cheveux. Mais peut-être qu'il a la peau là, en fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a des fois, c'est blanc. Mais moi, c'est ça le handicap, mais ça va. Pour l'instant, c'est pas revenu. Par contre, ce qui, j'en ai sur les extrémités, mais vas-y, c'est vite fait. C'est genre, y a, aux extrémités, du coup, ça se voit pas, en fait. Du coup, j'ai la flemme d'aller chez le dermato pour racheter du truc, là. Bon, attendez, je vous fais passer vocal. Je rappelle, s'il y en a qui disent des dingueries, j'en ai rien à foutre, c'est pas moi qui le dis, donc vous allez juste vous afficher pour rien. Édouard Philippe, le mec dans Villebrequin. Pas mal celle-là. Pas mal celle-là. Et voilà, et ça c'est l'handicap de Frifa. Ça c'est l'handicap de Frifa. Bon bah voilà, hein. C'est un handicap, on le voit physique. C'est-à-dire que ça, ça peut pas se changer mal. Il n'y a que la chirurgie esthétique qui pourra changer cet handicap. Et le chat. Hop. Bon alors. Vas-y, je fais passer. Je fais passer Mamako là. Oh Mamako. T'es là? Mamako? T'entends? Oh là là, ouais. Le micro. C'est ça ton handicap, c'est le micro pourri? Putain, non, je suis content. Je t'entends pas là. Hein. T'entends? Ah bah ouais, on le reconnaît. Donc voilà, c'est depuis quand que t'as un micro aussi pourri? Depuis... Ok. 3 ans. 3 ans, ouais. Et c'est une maladie que t'as eu comment? Mon casque. Ok, ouais. Ok, t'arrives à communiquer du coup avec tes potes sur les jeux en ligne et tout? Non. Ok, bah c'est un handicap fou, je vais te laisser du coup. Je vais te laisser. Ça va? Oh. Allez, allez, on va le laisser lui parce que il a pas compris. Oh. Bah attends, je vais aller sur ma scène. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre cam, hein, si vous voulez. Va te faire enculer. M'en fous. O U A I I S S S S S. Tout dit, tout dit. Aussi, mon autre handicap, c'est que pour bronzer, il faut que je reste 40 heures au total au soleil. Ça, c'est un autre handicap. Bon, attends, on invite quelqu'un d'autre. Je mets le chat ici. Mets le chat ici. Non, Terra, je crois qu'il bug plus. Hein. Je lui ai dit mes trucs des antennes, ça bug plus. Hein. Il m'en doit une fière chandelle, lui. Hop. Voilà. Hop. Voilà, je mets ici. Allez, je move quelqu'un. Non, toi, je vais te bannir. Toi, je vais te bannir. Merci, Julius27, pour les 3 mois. Et merci... Warina Grimjo pour les 5 mois, merci beaucoup. OVNI pour les 3 mois, Interpol pour les 6 mois, merci les gars. Onus. Bonjour, attends, j'enlève juste le stream. Ah, un handicap. Attends, avant que tu le dises, il est grave ou pas? En vrai, j'en ai deux. Mais j'en ai un, il est un peu, genre, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et l'autre, il est un peu plus rare. Donc, commence par le commun. Déjà, comme beaucoup de gens dans le chat, je pense que je suis autiste, voilà. Non mais ça arrive, voilà. Hein. Ça je vais. Non mais autiste, j'ai l'impression que tout le monde l'est. Genre moi aussi, je pourrais dire que je suis autiste parce que je sais pas. Non, c'est officiel pour le coup parce que genre j'étais en hôpital et tout. Oui et... oui. Ouais. Là. Bon non d'accord. Ah, allez, bon voilà. Et sinon mon deuxième handicap c'est que je suis dysgraphique. Donc en fait j'écris comme un enfant de 6 ans. Voilà. Ah vas-y. Est-ce que tu peux allumer ta cam et écrire voir? Pas ta tête si tu veux pas me la montrer, je m'en fous. J'avouerais que j'ai pas de cam, du coup je peux pas t'envoyer, monsieur. Je pourrais t'envoyer une photo. Fais une sur vidéo Twitter. Là. Écris et prends une photo, voir. Bah attends, je vais chercher un cahier. Mais là, passe à quelqu'un d'autre. Ça non, pardon, j'ai dit que je me moquais pas. Non, mais vas-y, en vrai, c'est drôle quand même, c'est drôle, j'avoue. Écris terracite sale con sur une feuille. Morse ouais, je vais forcer. Terracite sale con. Mais quoi, ça, tu. Ouais, je crois qu'il est parti. Il y en a quelqu'un qui l'ont dans le chat ou pas? Attends, on va chercher sur Internet. Hein. Attends, je vais vous partager l'écran.
C'est bon, je suis revenu. Attends, je vais chercher. Potapet 1, potapet 2, potapet 1, potapet 2. Je vais te chercher la, la maladie sur internet. Là. Dysgraphique, c'est un classique ça. Hein. Très très beau nom hein, quand même. Hop. Attends, je mets la cam ici. Ok, je te fais une petite photo. Va te faire enculer. En voilà DM Discord si tu peux. Ok, ok. Bon, Terracide. Terracide, sale con, ouais. Tu vraiment, tu énervé, quoi. Comme si c'était. Ouais, j'écris gros con, mais vraiment, grosse haine contre toi, Terracide. Hein. Bon. Tu m'étonnes. Attention, sale con. Va te faire enculer. Tu m'étonnes. Potamoche. Merci pour le, les messages. Du coup, j'ai pas regardé le chat, il y a d'autres gens. Madro, ta gueule. Attends, j'ai pas regardé parce que depuis tout à l'heure, j'essaie d'afficher internet là. On casse les couilles. Oui, je l'ai. Bon, voilà, c'est une maladie. Non, mais il a dit que c'était pas connu, je suis mort. Je suis très très. Bah, je sais pas, je connais personne dans la. Qui l'a, moi, perso. Donc... Allez, tu m'as envoyé ou pas? Attends, j'ai pris la photo. Je vais vous montrer. Préparez-vous à rire. Hein. En plus, je me suis appliqué. Hein. Je le mets dans discussion. Discussion after ciné. Vas-y. Ouais. Fais pas attention si ça spam. Attention si on met des coups de couteau. Arrêtez. Ça. Vous la notez combien son écriture là? Ça va. Mais en plus de ça, du coup, j'écris très lentement. Et très mal. Parce qu'en général, les gens qui écrivent lentement, tu sais, ils écrivent 4 sur 10. Voilà. Moi, je donne 4 sur 10. Bon, ça va. Bon, après, je t'avoue, il y a le terre de Terracide, et après, on dirait que t'as écrit le N-word. Genre, terre, ouais. Terre, nez. Je vais pas te dire. Après, gros con. Donc, tu t'éviteras. Beaucoup d'amour pour Terracide. Hein, est-ce que ça existe, les syndromes de la Tourette, mais à l'écrit? En vrai, je pense pas. Mais ça serait très drôle. Ouais. Genre sur la copie du bac, t'écris fils de pute, sale pute, j'ai sucé mon cousin. Et je suis en live. Ah, désolé. Ouais, on va dire que c'était pour Grim Cujo. Bon, ben merci pour ce handicap. On le félicite tous handicap et on espère qu'il va jamais guérir. Voilà. Est-ce que je peux faire juste un énorme bisou à Hugo Délire? Je l'aime beaucoup. Il aime pas les suceurs. Je m'en bats les couilles, je le suce quand même. Allez, des bisous. Il aime pas les suceurs. Hugo, si tu veux passer, viens dans le truc, je te move et tu l'insultes. Ah. Putain. Voilà. Ciao Onus, merci d'être passé. Des bisous. Alors. Premier handicap pourri. Va te faire enculer. Y a aucune. C'est une grosse maladie qu'il a. Hein. C'est une grosse maladie. Bon, allez, j'en mets un autre. Pangolin. Salut Pangolin. Allô. Alors, c'est quoi ton handicap? T'as la voix de Redus, c'est ça? C'est ça ton handicap? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Attends, mais c'est ça. Ah, j'ai cru. Non, c'est pas moi. En vrai, ça va, c'est pas un truc de fou. Genre, au quotidien, je le vis bien. Mais, genre, tu vois, sur le torse, entre les pecs, j'ai mon sternum qui ressort de fou. Genre, j'ai une bosse, tu vois. Sternum, attends, je regarde. Je sais pas s'il y a des. Attends, en fait, parce que je vais pas montrer mon torse en live. T'as pas le nom de ta maladie ? Mais non, je sais pas si c'est, genre, c'est une malformation, quoi, mais c'est pas un truc de ouf. Attends, sternum qui ressort. Malformation sternum, parce que si je vois des trucs dégueulasses là. Voilà, cherche sternum qui ressort, tu vois, genre. Ah ouais, attends. Mais après, genre, y en a, c'est abusé aussi. Attends. Et y en a, c'est rentré, c'est l'inverse. J'ai le droit. Non, les torses de masculin, ils sont autorisés, je crois. Je sais pas. Je crois qu'ils sont autorisés, c'est bon, hein. Faites pas chier. Théma, préparez-vous au choc. Oh, parce que c'est je sens que tu vas montrer vraiment un truc aberrant. Mais non, ça c'est l'inverse, ça c'est rentré, attends. Je t'envoie dans le cas ça. Si, je crois, il est comme ça. Attends, je vois dans discussion un exemple de mec, c'est pas moi, je précise. Oui, c'est pas toi. Oui, c'est pas moi. Oh, genre, tu vois, le mec de gauche, ça fait un peu ça. Attends, je vous mets la photo. Et genre, t'as vu, du coup... Ah bah d'accord, je me fais tailler en direct. Ouais, voilà, du coup, quand je suis de côté, tu vois, ça se voit un peu, même sous le t-shirt et tout. Ça va, en vrai, c'est pas, ouais, non, mais c'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc de ouf. Mais en fait, ça m'a juste fait rire, parce qu'un jour, mes potes, ils ont capté que j'avais ça, alors que je savais même pas. Genre, ils ont fait, ah, mais t'as un troisième sein. Bah, attends qu'ils découvrent pas les trucs que t'as sur ton PC, parce que ça, c'est un peu plus grave. Ça serait le problème, quoi. Ça, c'est un peu plus grave, dis-toi que c'est, voilà. Mais attends, c'est quoi le sternum, du coup, là? J'ai pas compris.
Bah, c'est genre la pointe là. La pointe. Le truc qui bah, est. En fait, le truc qui est choquant là sur la photo, c'est le nombril qui rentre en fait. Bah, sa petite brioche là. Mais non, mais c'est au-dessus, c'est genre entre les tétons le sternum. Ah ouais. Ça, c'est genre. Ok, bah t'as le Voilà. torse pointu, écoute. Bah, Pas n'importe où. je pense que je peux faire un attentat en fonçant dans des gens, quoi, donc. T'arrêtes tout de suite. C'est quoi, t'es musclé ou pas? Ça va. Et tu penses si tu te muscles, ça s'enlèvera? Mais je pense que si je développe les pecs sur les côtés, du coup, ça va cacher. Bravo! On espère qu'il se soigne jamais, les gars! Ah. Bonne chance à lui. J'espère que tu te Bah, soignes merci. jamais et que tu auras ce handicap à vie, parce que comme on dit, la différence, c'est notre force. Merci beaucoup, mec. Merci, pota. Bonne journée à Ciao, toi. Régus. Et arrête À plus. les DM si tu veux qu'on te réinvite Cacabo, frère. Arrête. Voilà, le casse. Il est malade mental. Hein. Qu'est-ce qu'il veut pas faire, Régus, pour passer en live? Il est insupportable. Bon, je tente. Je tente qui? Tiens, je vais commencer par le haut. Altesse, machin, là. Ta 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 là. Salut! Ah non, faut que je te démute à chaque fois. Salut mec. Oui, tu Meuf. m'entends? Ok, quel est ton handicap? Bonjour. Désolé. Bah, c'est un truc un peu spécial. Genre, tu vois l'articulation des doigts. Enfin, c'est un petit truc. T'as le nom de la Et ben, maladie? mon articulation, elle peut aller à l'envers. Genre, mon doigt, il peut aller à l'envers. Non, 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 non. Tu peux le montrer ou pas? Si. Tu peux pas. En vrai, oui, je peux montrer. Faudrait que tu. T'es pas obligé de montrer ta tête, juste tu montes le doigt. J'espère qu'il est propre le doigt, hein, Après, je parce pense qu'on verra forcément. que. Ah, il est nickel. Attends, faut que je partage Je sais pas Discord, du comment on coup. fait pour mettre la vidéo. Discord, t'appuies sur vidéo, mais fais gaffe que ce soit la bonne cam, là. Bon, le micro, il est Ok. catastrophique, mais attends, je vais te baisser un peu. Capture de fenêtre. Oh là là, le doigt, mais vous allez voir un doigt. En Dis-moi vrai, c'est ça quand. va, genre c'est normal. Dis-moi quand tu t'as activé là. Ah ouais. Je peux pas l'activer. C'est sur tel? Non, sur l'ordi, mais la vidéo, il y a marqué que ça coince. Pas le nom de Mais la je peux maladie au pas. pire? Donne le nom. Mais je connais pas le nom. Eh, les prochains qui ont une maladie visuelle là, franchement, préparez-vous à activer votre cam en vrai. Non, c'est nul. Attends, au pire, je fais Mais je peux passer pas quelqu'un l'activer. d'autre, je te remove après. Ok. J'essaye de régler. C'est qui la meuf? Il commence à y avoir des. Non, mais frère, il y a un mec, il a dit c'est qui la meuf? En mode, il allait la draguer, genre. Elle est connue la meuf? Oh là, les pervers dégagés. Qu'est-ce qu'on dit aux pervers comme ça? Ouh. Ah, on leur dit ça. Ouais. Rate de singe sur le pervers. Là. Salut Arsène. Attends, je sais pas déjà move toi? Arsène. Arsène, t'es mute. Arsène. Ah, il est muet. Ah putain, c'est son handicap. Ah, c'est fort, putain. C'est fou. Désolé. Ah, pardon, non, t'es là? Ouais, c'est bon. Ouais, alors quel est ton handicap? Pardon. C'est nul. Je Bon suis bah sourd voilà d'une quoi. oreille. T'es sourd d'une oreille? Ouais. Va te faire Tu peux enculer, montrer ta c'est tête nul. ou pas? Non, non, désolé, je peux pas. Ouais, non, mais je sais. Je suis trop moche pour tuer les gens. Allez! En fait, je voulais voir. En fait, je voulais que tu connectes ton casque à une oreille et que je crie dedans et je vois si ça te fait quelque Ah, chose. mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est connu. Va te Mais faire non, mais ça enculer. marche, t'inquiète. Salut Enfin, les j'entends refs. rien. Mais ouais, mais du coup, on peut pas montrer. On peut pas montrer. Mais Mais t'es frère, en pic la meuf 2022, pas montrer sa tête. Même Guy Crisio, il a montré sa tête. T'as vu sa gueule? Non, j'ai même pas vu. Frère, franchement, les gars, détendez-vous. Mais non, mais je te jure, je peux pas. Non, en fait, je pense que t'as un plus grand handicap, c'est que t'es trop moche. C'est plus grave Bah, je te l'ai dit. que les oreilles, je pense. Me pète ma cam si je la montre. Si je me montre, peut-être que je Bon, repète la bah, cam eh aussi. bah, on, eh bah, on est content pour lui, il est sourd d'une oreille et on peut pas le prouver. Bon, bah voilà, merci Non, mec. mais vas-y, ok, je me bouche l'oreille et tu parles. Si on voit pas, ça sert à rien, en gros. Mais fais-moi confiance. Allez,
Merci du passage, Arsène. Bonne chance. Non, mais il se prend pour qui ? C'est nul si on voit pas. C'est nul. Bon, après, j'avoue, si c'est des handicaps trop abusés, je suis d'accord de pas montrer. Mais là, bon, c'est juste il est sourd d'une oreille. Allez. Lui, là. Attends, je crois que j'ai déjà move. Je t'ai move, toi, ou pas, là ? C'est qui ? Ah, il est muet. Non, c'est bon. Ah, putain. Alors ? Non. C'est quoi ta maladie ? Oula, t'as une chaîne, t'es en laisse ? Je viens de rentrer chez moi. Alors, ah, donc tu t'es dit, il faut vite que je rentre chez moi pour parler de mon handicap. Vas-y, ok. Vas-y. Il vaut le détour, le handicap. Bon, en gros, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une excroissance au niveau du genou. Donc c'est tout ce qui est exostose et tout, c'est genre des os en plus. T'es plus grand d'un genou ? Bah attends, tu sais quoi, je vais t'envoyer une photo. Ouais, jamais, let's go ! Au moins, discussion, voilà. Non ? Au moins il a une photo, lui. Pas comme certains. Discussion. Pas comme certains qui s'appellent Arsène. Alors, envoie-moi ça. En plus, je me suis fait opérer, donc tu auras les deux. Oh, il y a l'avant après. Oh, déco. Ok. Attends, on va voir. Vas-y, envoie. Je suis en train de la mettre là. Ok, première. Ok. Bon, ça va là. Bah, quand même. C'est vrai que t'es enceinte du. Ah, du genou quoi. T'as joué au monde dans le chat là. Première, là, y a la ensuite, deuxième. La deuxième, c'est quoi la deuxième? Attends. Là, c'était avant l'opération là. Ouais, vas-y. Genre, tu vois, ils m'ont rasé et tout pour que je me fasse opérer, parce qu'en gros, ça touche les ligaments, enfin, ça touche le tendon. Ah, ouais. Et du coup, à chaque frottement, ça encule le genou. Et du coup, bah, pour marcher, pour faire des squats. Ça, depuis que t'es petit ? Non, en fait, genre, il y a 5-6 ans, quand je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, ça a apparu. Et du jour au lendemain. Et du coup, j'ai fait plein de radios, plein d'IRM, mais aucun médecin savait ce que j'avais, jusqu'au jour où il y a une IRM qui a donné, du coup, l'exostose. Attends, c'est un truc rare ! Mais en vrai, les docteurs, ils arrivaient même pas à détecter ces bouffons. Oh, les nuls, sérieux. Les nuls. Ah, franchement, ça a mis du temps avant qu'on me donne un nom. Et j'ai la même aux épaules aussi. Mais les épaules, ça fait pas mal, genre c'est bénin. Du coup, je l'ai laissé. Ah, ça te fait mal en plus. Mais t'as l'impression qu'il y a un truc qui va sortir en fait. Eh gros, les gens, ils étaient choqués quand ils voyaient. Vas-y, celle-là, elle est un peu. Vas-y, j'envoie une. Après l'opération. Envoie une photo de ses couilles au bout d'un moment. Hein. On n'a plus rien à faire. Ah, j'ai le droit de le montrer, ça. Ouais, s'en fout, Twitch. Je sais pas. Hein. Non, mais frère, c'est bon, c'est une cicatrice. Après, j'en ai des plus dégueulasses, mais vas-y, je vais pas les montrer en live. Il veut montrer l'opération. Regardez. Allez, après, je monte. Attends. Par contre, non, là, la photo, ce qui est pas le plus choquant, c'est pas la cicatrice, c'est les chaussures du mec qui était à côté de toi, là. c'était un infirmier, là. C'est les mecs fallait se mettre en calebard devant lui, hein. Attends, du coup. Un grand daron de 45 ans. Quand t'as enlevé, c'était quoi en fait ? C'était comme du pus, c'est quoi ? Bah, en gros, c'était vraiment de l'os. Donc, c'était une masse osseuse qui s'était greffée, quelques centimètres, je crois. Et ils l'ont juste donc opéré, ils l'ont enlevé. Et puis voilà, après dis-toi que ça a été loin. Hein. Ils l'ont envoyé à un labo pour l'analyser, parce que ça pouvait peut-être être une tumeur, parce que c'est considéré comme un corps étranger. Il a la variole du singe. Il a la variole du singe, le chat. Et du coup, bah après, on a eu les résultats du labo, il n'y avait rien du tout, c'était juste de l'os. Et j'ai pareil aux épaules, mais les épaules, c'est rien. Tranquille. Est-ce que c'est comme le délire de notre queue, là Non, en gros, tu sais, dans le dos, là, on est censé avoir une queue. Bah, c'est des os en comment plus. Bah, ça se trouve, toi, avant, tes ancêtres, ils avaient une jambe en plus. Bon, allez, on arrête. Ouais. Merci beaucoup pour les photos, mec. Avec plaisir. Très très belle maladie. 10 sur 10 la maladie, masterclass. Ouais, merci, j'en suis fier. C'est un crack la maladie. Ouais, non mais je sais pas, c'est bizarre de un os qui pousse sur le bord du genou. Trop bizarre. Trop bizarre. En fait, vous avez plein de maladies avec les os. Bon, voilà. Donc lui, je les move. Attends, mais en vrai, cassez-vous parce que... Je vous ai remove, mais cassez-vous. Désolé, mais bon. Non, mais il y a Terra. Tu crois que je te vois pas, Terra? Allez, tu sais quoi. Ah, voilà, allez. Allez.
Je suis. Alors, je voudrais faire un témoignage anonyme. Ouais. Alors, moi, mon handicap, c'est que depuis environ 2013-2014, j'ai vraiment des chiasses incontrôlables. Ça te revient pas? Ah bon? C'est lié au syndrome du côlon irritable. Ok, ouais. J'ai un peu pareil. Ouais. Ah, bah c'est marrant, alors du coup, je pense qu'on est beaucoup touchés et qu'on n'en parle pas. Alors je connais des gens qui l'ont autour de moi aussi. Et attends, j'ai une question, puisque je me pose cette question. Ça se passe comment du coup avec ta meuf, du coup, ce problème? Alors c'est marrant que t'en parles, parce que justement, j'ai une meuf. Et en fait, je prétends qu'il ne se passe rien. Ok, d'accord. Donc voilà, je ne fais pas caca. Et comment elle fait quand elle sent des lasagnes périmées au fond des chiottes, par exemple? J'ai deux chattes et je dis à chaque fois « Oh non, Mistigris, t'as encore chié partout, ça pue la mort !» Très très fort. Très très belle technique. Merci. Franchement, on l'applaudit dans le chat, il a eu le courage de venir. Très très fort. Au revoir et bon courage à tous ceux qui ont le syndrome du colon irritable. Oui. Et après, moi, je vais jouer à Fall Guy si tu veux jouer avec nous, si t'as un... toi. Je suis anonyme, oui. Non, mais justement, je fais jouer des malades, je fais jouer des enfants qui ont beaucoup de maladies. Ah bah alors, à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Putain, je sais pas qui c'était. C'est chaud, hein. C'est chaud, en vrai, d'avoir cette maladie. Très, très fort. Grand courage. J'ai presque la larme aux yeux là. Salut El Rekiki. Alors El Rekiki, quel genre de maladie tu as? Ah salut, excuse-moi. Alors moi c'est une maladie un peu spéciale que j'ai eue quand j'avais 8 ans. En gros ça s'appelle... Il y a le retour. Il y a le retour, excuse-moi. Ah t'as un double. T'as un double qui répète ce que tu dis. Ouais, j'ai un demi-frère maléfique un peu comme dans les Simpsons. Non! Si. Non, en gros, c'est une maladie, ça s'appelle le purpura. C'est un nom de merde, on dirait que je sens la mort, mais ça n'a rien à voir. On dirait une sauce un peu, la sauce purpura. C'est un peu... Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Oh, je peux pas montrer ça! Alors, ça dépend, moi c'était pas si terrible, Yana, c'est vraiment horrible. C'est plein de petites taches, en fait, c'est des veines qui explosent. Ça a l'air horrible, mais c'est pas une petite veine qui explose. Non mais attends, c'est horrible, il y a aucun respect. C'est choquant. Non mais après c'est comme ma pelade, c'est des cas abusés aussi. Oui voilà, c'est des trucs exagérés sur Google, alors que moi c'était vraiment minime. Mais c'est une maladie qui peut être mortelle. Mais moi ça va. Mais le problème de la maladie c'est qu'elle peut le revenir à tout moment. C'est-à-dire que à tout moment de ma vie ça peut revenir d'un coup comme ça. Hey, je montre le purpura, il y avait un... Non, il n'y avait pas de cul, de toute façon. Non, souvent, c'est sur les jambes, parce que ça commence sur les jambes, puis ensuite, ça monte dans le corps, on peut dire. Et attends, ça t'arrive encore Pour le moment, ça ne m'est pas revenu. Des fois, ça m'arrive sur les pieds, mais vu que c'est que les pieds, et qu'on va dire que c'est quand je marche souvent, ça va. Mais le cas que j'ai eu quand j'avais 8 ans, c'est que c'est venu presque à mon cœur, et à ce moment-là, ça peut être dangereux. Ah ouais. Tu mets... quand t'en as, là, ça dure combien de temps? Le plus long, ça m'a duré 2 semaines et il n'y a pas forcément de traitement à part juste être sous surveillance. C'est-à-dire que. Il y a un garde devant sa chambre au cas où. Non, vas-y. Il sort, il contrôle. Il t'envoie la bouffe par la petite truc. Non, mais. Ouais, voilà, je suis un peu emprisonné, mais vraiment, c'est juste de la surveillance. Pas de traitement, même pas de crème. Bah en fait, tu peux pas mettre de crème vu que c'est sous la peau, c'est les veines qui explosent. C'est plein de petites veines qui explosent. C'est vraiment horrible, mais je te jure, franchement, c'est tranquille en vrai maintenant. Genre, plus j'avance avec l'âge, moins j'en aurai normalement. Parce que ça tape souvent sur les enfants, c'est-à-dire moins de 10 ans, etc. Ouais, c'est un youtubeur. Donc. Ouais, voilà, c'est un peu un Norman Bees de la maladie, quoi. Ouais, mais... non, pas de nom. Ah, oups là, désolé. Le N-word. non, mais très très cool maladie. Franchement, elle est très très drôle cette maladie. Tu nous as beaucoup fait rire dans le chat. Pas vrai, le chat? Là, tu Merci nous le as chat. Explosé de rire avec cette maladie. C'est sûrement une masterclass. De rien. Vas-y, hein, bonne continuation. Merci beaucoup.
Mais j'espère qu'il en aura d'autres. Pas d'autres, pardon. Oh là là, lapsus encore. Ça me fait chier. À chaque fois, je me trompe. Ok, il en reste. El Trosto. El Trosto. Alors, déjà, laisse-moi deviner. Le handicap, il se trouve dans le pseudo. Un peu pourri. Hein, parce que là, ce pseudo, je peux pas, il n'est pas admissible. El Trosto. Il faut Salut. Parler. Oh, let's go! El Trosto est avec nous en direct. Alors bah, la maladie, en fait, c'est que... T'es bloqué dans le ventre de ta mère depuis de gros, 25 ans maintenant, et c'est pour ça qu'on t'entend mal. Non, vas-y, désolé, c'est ma blague. Attends. T'entends pas. Tu m'entends mieux, là? Ouais, ça va. Ok, bah je voulais dire, bah genre... T'es sorti. vas-y, vas-y, dis. C'est que t'es pas obligé de t'arrêter de parler à chaque fois que... Gros. Ok. T'as dit le noir de là, de on gros. Dirait. Ok, ouais. Je suis maigre. Bah non, bah gros, c'est pas une insulte. Non, mais en gros, ça coupe là et j'entends que la fin de tes phrases. Donc j'ai entendu gros. Je me suis dit, ok, il a commencé par nez. Mais vas-y, refais du début. Alors... Je suis ultra maigre, mais en fait j'ai que des maladies de gros. Tu m'entends là? t'es ultra maigre, mais t'es obèse. Ok, je vois le genre. Non, vas-y, continue. Ouais. Vas-y, raconte. Genre, je fais apnée du sommeil, tout ça. Je bouffe comme un porc. Genre, j'ai que des trucs. Je ronfle comme un porc. Bah, je réveille toute la maison. Bah, après, c'est normal si tu bouffes comme un gros, que t'aies des maladies de gros. Genre, je suis tout le temps fatigué. Bah ouais, mais du coup, c'est pas un handicap, là, c'est ta faute, là. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Non, mais attends. Attends, on va être honnête. Tu me dis que tu bouffes comme une merde, et après, tu te plains de faire des trucs de gros. Non, mais ça, c'est depuis tout petit. Avant, j'étais gros, maintenant, je suis maigre. Mais je peux bouffer. C'est parce que je fais beaucoup de sport. Mais t'inquiète. Ok, j'excuse. Bah merci, ouais, bah merci. Écoute, moi je te conseille de mieux bouffer et t'iras mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et du coup, genre j'ai tout le temps une tête de déterré à chaque fois. Je suis trop gros fatigué parce que l'apnée du sommeil, en fait, tu dors mal, trop mal. Mais c'est dû à quoi l'apnée du sommeil, le chat ou toi là? C'est dû à quoi? Je sais pas. Dites-le, c'est dû à quoi en vrai? Non mais laissez-le. Bah, je sais pas, en fait, on me l'a dit en parler. Trop de gras. On me l'a dit en soirée, mais je savais pas du tout. Ah, mais c'est pas parce que t'as du cholestérol. Oui, oh, le pull de FOUWA. C'est pas parce que t'as du cholestérol. C'est pas parce que j'en sais rien, je suis pas Chulé docteur. Ton t-shirt pota. Mais ta gueule, putain, le sub, je peux pas parler, pardon, les subs. Mais... En gros, est-ce que c'est parce que t'as du cholestérol dans les artères? Je fais le docteur pourri. Hein. C'est peut-être ça. J'aime bien manger des gâteaux tout le temps, du coup. Ah bah oui, non mais attends, aussi. Mais tu sais que moi aussi je suis maigre, et si je bouffe trop, enfin si je bouffe trop mal, au bout d'un moment sur mon corps ça c'est le, enfin moi c'est plus au niveau de la digestion, ça dit bon faut arrêter là. Moi je dis, ouais, mais toi tu cuisines moins, tu te fais chier à cuisiner et tout. Oui, bah fais pareil alors. Fais-toi chier. Ah, mais moi, je bouge. Enfin, c'est une quiche Lorraine, moi, en cuisine. Bon, pota, merci de m'avoir écouté, ouais, grand merci, fan. Merci beaucoup. Bonne maladie à toi. Le Shinkish Lorraine en cuisine, il m'a eu. Allez, on a Florian qui arrive. Florian. Ah merde, j'ai pas démuté. Florian, ça va? Ouais, toi? T'as une maladie sympa à nous proposer? Non, moi c'est un truc tout nul un peu. Bon bah vas-y, dis, quand même. Alors moi je suis photophobe. Je crois que oula, de quoi ce truc? T'es comme le mec de Better Call Saul, là, t'as une maladie qui n'existe pas. Vas-y, raconte. Ouais, c'est ça, exactement, j'invente ma maladie. Non, c'est que, bah en gros, la lumière, elle me fait mal aux yeux. Oh non!
Ouais. Et du coup, bah, quand il y a trop de luminosité, bah, je chiale. Après, c'est tous les humains qui ont ça, mais toi, c'est vraiment genre abusé, genre dès qu'il y a la lumière allumée. À Ouais, c'est peine ça, donc. genre, même la luminosité des écrans et tout. Ah non, Ou ah non, ça c'est le. trop chiant. Tu peux pas aller Ouais. sur l'ordi plus de combien de temps, par exemple? Bah, en gros, si, mais j'ai des, tu sais, j'ai les trucs éclairage nocturne et tout, j'ai tout ça à fond. Du coup, mon écran, il est bleu en permanence. Et puis, luminosité au minimum et tout. Mais voilà. Et dès que je sors, bah, j'ai tout le temps des lunettes Bah de attends, soleil. Même pourquoi t'es le attends, soir. attends, pourquoi t'es les pourquoi tes lumières elles sont bleues? C'est pas jaune qui est bien? Bah, ça, non, ça enlève ouais, le truc bleu, là. Ah ok ouais. Les applications, Et genre. t'as des lunettes, non, pour ça? Bah ouais, Putain, j'ai tout le temps des lunettes de soleil, quoi. Du coup, j'ai l'air d'un bouffon. bravo. Ouais, let's go! Il est trop stylé dans la rue! Let's go! Ah putain, lunettes de soleil partout là. Non mais c'est très chiant du coup. Je te félicite. Je Eh te ben merci. félicite mec pour cette grosse Ben merci. maladie de merde. T'as Mais rien oui. pour soigner, t'as même pas eu les opérations laser. Bah non, parce que l'ophtalmo que j'ai été voir, c'était une connasse. Et puis Let's go, c'est une pute, let's go. Bah non mais va voir, je suis sûr ça. Bon après les trucs laser ça doit coûter 2000 euros, je sais pas combien là. ouais, probablement, faudrait que je retourne voir. Ouais. Mais Dans je suis un le peu un. opération laser, genre juste pour par exemple pour la myopie, ça coûte combien déjà? Attends, je regarde le prix. Je suis là, je fais ton truc. Hein. Opération laser, il y en a dans le chat qui savent combien c'est là? Laser. En plus j'ai l'impression que c'est qu'aux États-Unis qu'il y a ça. Après, les trucs laser, c'est si t'as un problème dans l'œil. Moi, c'est juste une hypersensibilité, on va dire. Donc, Bah ouais, mais je ils suis pas peuvent sûr que pas. t'as vraiment des Ouais, et opérations. des lentilles, elles peuvent pas te faire un filtre. Ouais, faudrait que je me renseigne, ouais. Ah ouais, ça se voit que t'es jamais allé à l'ophtalmo, toi. Bon, bah bon courage. Ben, merci. Bon courage. Attends. Attends. Deux secondes. Deux secondes, hein. Deux secondes, deux secondes. Tu regardes discussion ou pas là? Hop, deux secondes. Hop. Allez, claque dans ta gueule. Dans ta gueule. Allez, ciao. Ciao. J'ai mis une grosse image blanche dans le discussion. Il s'est pris un flashbang. Il s'est pris un flashbang. Il s'est pris un flashbang. Wouhou. J'ai empiré sa maladie. Pour ceux qui comprennent pas, en gros, il y a l'after ciné, faut la rejoindre. Hein. Mettez le point d'exclamation Discord. Ok. Salut Louise. Ah, on m'entend? Salut Louise! Oh là. Bonjour! Ah, il y a un retour, il y a un retour de. Oh là là, oh là, il y a un Bonjour! retour. Oh, Louise! Louise! Eh oh, Louise! Ah, c'est bon, c'est réglé. Ah, attends, j'ai enlevé ton stream, normalement il n'y a plus de retour. Hein. Ouais. Putain, t'as le ventilo derrière? Non, c'est mon MacBook qui est très vieux. Ok, Mais. bah on sent qu'il est très vieux. Il y a un avion qui décolle. Vas-y, raconte l'handicap là. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai plus, que j'avais quand j'étais petite. Mais en gros, je faisais pipi au lit jusqu'en sixième. Oh, sixième, t'es allé loin, hein? Elle a Sixième. battu, elle a battu des records. Bref, Sixième. donc ouais, c'était donc la honte, quoi. Et Ok. ben, disons qu'au quotidien, c'était hyper chiant. Parce que, enfin, genre, allez, Comment un ça, soir, tu te pissais dessus au quotidien aussi? Non! Non, non, genre, la nuit, allez, gérer. Un soir sur quatre, bah, je me pissais dessus dans mon lit. Et du coup, ces soirs-là, ce qui se passait, c'est que, enfin, soit, genre, j'avais toujours trop la flemme de changer mes draps. Du coup, juste, je me mettais sur le côté de mon lit pour juste éviter la flaque de pisse et essayer de Non, continuer de non, dormir. non, 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 non. La flemme. La flemme, Ou t'as dit? alors, des fois, juste, bah, je rentrais dans la chambre de mon frère et je dormais avec lui. Ah bah, à la poisse, frère, il y a une pisseuse qui vient. Oh non, la pisseuse est Et de toi, retour, frère, je te j'ai jure. repissé dans le même lit, dans la même nuit, et j'ai pissé dans son lit. Il y a des frères qui ont du courage. Et on applaudit tous le frère de cette dame. Bravo. Bref. Bravo, Yeah. frère. Non mais attends, 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 attends. Déjà, j'ai une question. À quel moment ça s'est débloqué? À quel moment ça s'est arrêté? Bah, je pense avec la puberté, c'est parti tout seul à un moment.
Moi, tu sais que. Bah, moi, c'est pas 6ème. C'était CE2 maximum. Maximum peut-être CM1, j'en sais rien. Moi, j'étais dans mon lit. Parce que moi aussi, j'avais des problèmes de pipi tard, mais pas aussi tard que toi, genre. Et moi, je me suis dit dans mon lit. Genre, j'ai vraiment fait comme les coachs sportifs. Je me suis mis dans mon lit, j'ai dit ce soir, j'arrête de pisser. Et j'ai fait un coup de ventre, un truc comme ça, et ça a marché, comme un marabout. Toi, t'as pas fait ça. Toi, t'as pas fait ça. Non, j'ai aucune idée de comment ça s'est arrêté. Enfin, ça a arrêté quand j'ai grandi. Je me souviens, quand j'étais petite, je me souviens, une fois, j'en avais tellement marre, j'ai essayé de prier Jésus pour wow. arrêter ça. Mais moi, j'ai la vérité de ce qui s'est passé, en gros. Et ce qui s'est passé, c'est pendant des années, parce que je suis un pote à ton frère, en fait. Pendant des années, en fait, t'as cru que tu pissais plus. Sauf que tous les matins, ton frère, il te droguait avec un somnifère, donc tu dormais encore. Il changeait ton matelas et il en mettait un autre pour que tu crois que t'as pas pissé dans ton lit. Et il a fait ça pendant des années pour que tu regagnes confiance en toi et que tu battes cette maladie. Donc on applaudit son frère. Bravo! Mais c'est une feignasse, on fait jamais de la vie. Non, mais juste. Bravo, son frère! Bouh! Mauvaise sœur! Bon. Non, mais juste vraiment. S'il y a des gens qui font encore pipi au lit, s'il y a des gens qui ont 12 ans qui regardent le stream. Bah, dis ça à Théorus, hein. Dis ça à Théorus. vraiment, j'ai. Bouh, la pisseuse! Non, j'arrête. J'ai mal pour vous parce que, genre, en colonie de vacances, gros, c'est tellement. Putain. C'est tellement la galère. Ah ouais, attends, tu dormais avec d'autres meufs et elles l'ont vu? Bah, non, en fait, vraiment, bah, du coup, enfin, genre. Finalement, j'ai fini par ça c'est je vibre. J'ai fini par mettre finalement des couches pour ados. Oh et, pota, c'est moi. Bon anniversaire. Donc, ouais, j'avais complètement coup, oublié. Enfin, je sais pas va te faire enculer, mec. Des fois où je suis allée au scout où j'étais en colo, juste je mettais des couches et j'arrivais à me démerder pour que personne le voie et pour les cacher en cachette dans des grosses poubelles, des trucs comme ça. Très très oh le gros bébé. Tu veux ta tétine? Bon allez j'arrête. Non c'est méchant. C'est vrai qu'il faut pas blaguer. Non, mais j'espère que tu les as pu, là. Hein, rassure-moi, les couches. Ouais, non, c'est plus du tout. Oh, tu les as. Non, j'en porte une en ce moment même. Allez, on va passer au autre handicap. Bonne chance, hein. Change-la d'ici une semaine. Merci pour le handicap. Je déconnecte. Elle sourit. Oh, désolé, j'ai pas pu m'en tenir. Non, bah écoutez, maladie mentale. Non, je pense que c'est psychologique le pipi au lit. Je pense que c'est psychologique. Albert. Salut Albert. Oui. Ouais, salut. Alors moi, ma maladie, enfin c'est pas vraiment maladie, c'est plutôt une malformation, mais il y a pas mal de gens. T'es pas déjà passé, toi? Non, je suis passé, mais il y a longtemps, sur un autre truc. Un autre truc. Des anecdotes. Guillaume Radio 2.0 Non, sur chez toi. Ah, ok. En fait, t'avais la même voix que le mec qui avait le genou, donc je me suis dit, t'es déjà passé. Ah, non. T'essayes de me raconter l'histoire, genre. Non. Ouais, non, moi, c'est une petite malformation que pas mal de mecs ont, mais personne ne l'assume. C'est. Okay. J'ai un phimosis. Waouh. Voilà, c'est un peu relou, quoi. Bah, tu vas pas nous le montrer. Ouais, mais... non, du coup, non. Bah, dis-toi que t'as la même maladie que vodka, t'es content ou pas? Ça te rassure. Super. Et ouais, faudrait que j'aille me faire ce concert, mais j'ai un peu la flemme. Ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est la peau. Vas-y, c'est ce qu'a. Vous savez la vidéo de vodka où il se branle là? Ouais, il en a un, en gros. Bah, en gros, c'est quand tu bandes, ça décalote pas, quoi. Voilà. Et pourquoi tu le coupes, tu le coupes pas? Bah, il faudrait, mais vas-y, j'ai la flemme de dire à ma daronne, ouais, faut que j'aille me faire circoncire et tout. Enfin, j'ai un peu la flemme, gérer quand. Non, quand t'as pas la flemme, t'as peur. Ah, utilise les bons mots. La flemme, oui. C'est un mot valise qu'on utilise. Non, tu as peur. Et on va les deux. Allez, vas-y. Prends ton téléphone et tu vas la voir. Prends ton téléphone et tu vas. Non, Madrose. Tu regardes Madrose la nuit, je fais pareil avec lui. Allez, prends ton courage. Allez, t'y vas, tu vas la voir. Tu prends ton téléphone, tu fais genre, tu le caches, on t'entend lui dire. Non mais elle est maman, pas là. Maman j'ai un film. Bon appelle là. Allez Dibi. Non. Je suis là pour que tu te prennes en main. En vrai, c'est pas si grave que ça. J'ai pas besoin. Enfin j'irai quand on prend le moment. T'as pas besoin. Écoute-moi bien. Dis-moi. Vodka, il en a un. Ça se voit que c'était un gros frustré pour s'aller se branler dans les chiottes. Bah franchement moi ça va. PQ. L'autre que je connais qui en a un, c'est Flygo. Est-ce que c'est un exemple aussi? Dis-moi.
Bah non, mais moi pour le coup ça va, je suis tranquille. Moi je te dis, fais-le. C'est un peu relou. T'es puceau ou pas? Non. Bon bah c'est bon alors. Bon bah ouais. C'est bon. Non mais je pensais que si tu l'avais, ça allait te complexer pour ta première relation sexuelle. Ah non, moi ça va. Et ta meuf, elle a rigolé la première fois, elle a dit. Les trois meufs et qui j'ai couché, elles ensemble. S'en fout. Le même soir. Oui, bah oui, oui. On l'applaudit, il a couché avec trois meufs le même soir. Il non, a couché mais avec trois meufs le même soir, mais il a peur de dire à sa mère qu'il a un phimosis. Mais. Non. Non, mais ouais, non, ça s'est bien passé, tranquille, y a pas de soucis. Bon, bah écoute. Fais l'opération voilà. Et puis. Mais voilà, je vous dis ça parce qu'il y a plein de mecs qui en ont et personne n'assume, j'ai l'impression. Donc voilà. C'est pour faire passer un message, assumer, on s'en fout. Bah dis-toi que. Ouais, je sais pas, à chaque fois je dis. Frère, rends-toi compte, hein, sur Discord, on est le Caca Box par exemple. Ouais. On est. Je crois qu'il y en a un autre qui est là, mais je sais plus qui. C'était pas Terra? Non, c'est pas Terra. Un, deux, il s'est pas fait trois, opérer? 4. Il me semble pas, non. Bon, on est une 20, 20, 25. Et il y en a deux qui l'ont, je crois. Donc, au final, j'ai pas l'impression que ça soit si rare, ce truc. Bah ouais, c'est assez commun. Donc, tous ceux qui ont un phimosis, dites-le bien fort à la Gay Pride. Voilà. Bon, mais merci, Albert. T'as la voix de Dago, un peu, sur les rires. Bizarre. Ah ouais non, t'as l'air non, on me dit souvent que je rigole comme un... Comme un mec qui a un phimosis. Exactement. Bon, bah merci pour la maladie. Ah, de rien. Voilà, il a eu son phimosis. J'ai un phimosis. Courage, Alberto. Allez. On va faire passer Batman. Oh, Batman. C'est quoi ta maladie, mec? Tu m'entends, là? Oh là, Batman! C'est Batman! Yes! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est le vrai, hein. Ok, vas-y, je te crois. Eh ben, figure-toi que je viens d'entendre Albert et j'ai le même problème. Phimosis? Exactement. Allez, ça dégage. Ah, je l'ai dégagé. Allez, c'est bon, il a un phimosis. Salut, Freefall. Oh, Freefall. Attends. D'ailleurs, je remercie les subs. Attends, là, deux secondes. Ça fait longtemps. Merci, Flux, pour les 667 pour les 7 mois. Zonzi pour les 8 mois. Oasis pour les 5 mois. News pour les 7 mois. Batug pour les 21 mois. Elliot pour le Prime. Digdact pour les 3 mois. Toto aux oignons pour les 2 mois. Flamme 75 pour les 3 mois. Cubim pour les 3 mois. Black Ono pour les 22 mois. Recatros pour le Prime. Erial pour les 5 euros. Et Acide pour les 2 mois. Merci Erial pour le don. Désolé Erial, mais bon, tu parlais pendant l'autre là tout à l'heure. Frifa, comment ça va? Oui, salut, ça va. Let's go! C'est mon handicap, je fais que crier let's go. Vas-y, ah, dis le tien maintenant. Le mien, c'est simple, c'est qu'en fait, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Pardon, c'est un rire du public. Oh, oh les gars, ils sont chiants derrière. Oh, calme-toi, ça va. Alors, allez, montre-la. Non, allez, montre-la, je veux la voir là. Je t'envoie ça. Mais moi, c'est juste d'un centimètre, donc c'est assez léger. Tu peux pas, on ouais, peut pas avoir de face, genre quelqu'un t'a pris en photo? T'en as pas une? Si, ça se voit un peu. Attends, je t'envoie au niveau des genoux. T'avais prévu le coup, hein? Coke. Exactement. Ouais, la maladie. Ouais, mais attends, du coup, tu mets des rehausseurs ou quoi? Sur les j'ai chaussures? J'ai des semelles, tout le okay. temps des semelles. Je veux bien voir ça. Des semelles et du coup, problème au bassin, qui fait un problème au dos, aux épaules, aux yeux. Oh là 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 là. Comment ça, aux yeux? Pourquoi aux yeux? Parce qu'en fait, genre, le fait que ma colonne vertébrale soit pas hyper droite, bah, ça décale un peu au niveau des yeux. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Oh, mais c'est trop chiant, ça. Du coup, genre, moi, je voulais faire pilote de l'air, et bah, je peux pas. Ah ouais. Déjà, en pilote de l'air, c'est déjà que c'est hyper chiant, mais bon. Ok, pas... Sardoche. Attends, ils t'ont traité de Sardoche dans le chat, c'est très très grave. J'aurais rien dit. Je t'envoyais en privé, mais je t'ai fait des lignes pour voir. Ah, mais attends, je t'envoie en format de merde. Il m'a envoyé un. Ah, putain, il m'a envoyé un virus. Non, attends, c'est grave. Il m'a envoyé un virus, les gars. Pff, non. Je sais pas si tu veux bien voir ou sinon je t'envoie. Non. Genre, tu vois, au niveau des genoux, ils sont décalés un peu. Faudrait te voir debout, ça serait classique. C'est vrai, mais j'ai pas, je crois, debout. Attends, du coup, le genou, il est là. Ah, putain. Attends, merde, j'enlève le filtre. Va te faire enculer.
Combien de centimètres les semelles? À peu près 1 centimètre. Voilà. Et ça se voit sur tes chaussures ou c'est genre... Montre une chaussure. Non, en fait, ça se voit pas du tout après, mais... Ah, c'est pas... Après, ah non, c'est à l'intérieur de la chaussure. Ouais, c'est à l'intérieur de la chaussure. Ouais, je me suis dit, c'était, tu sais, en dehors. Alors, une ouais, non, c'est à l'intérieur, mais ça se voit pas. Les photos de paquets de clopes, quelqu'un a dit. ne fumez pas, hein, vous allez avoir une jambe plus grande que l'autre. Et genre, est-ce que t'as d'autres... Ok, il y a les... Bon, c'est pas des petits problèmes, hein. Mais ouais, y a les problèmes de yeux et tout, mais genre, dans la vie de tous les jours, genre, déplacement et tout, qu'est-ce que t'as d'autres problèmes? Bah, quand j'étais petit, je marchais comme un canard, du coup, parce que quand j'avais pas encore les semelles. Non, mais là, maintenant, en tant qu'adulte... Oh, maintenant, l'équilibre, juste. Ok. Et genre, je sais pas, des sports vélo, y a pas de problème Non, quand je cours, du coup, vu que j'ai toujours... Bah, la colonne vertébrale, vu que j'ai mis du temps à le trouver, elle est, tu sais, toujours décalée, du coup, ça me fait genre des douleurs à l'épaule. Tu peux pas la régler, ça? Bah, non. Parce qu'il y a les... Ou sinon, opération, mais ça coûte la blinde. Et c'est pas remboursé. Ouais, c'est ce qu'a fait Atom, là. Mais après, lui, il a pas de problème, mais il avait la colonne catastrophique. D'ailleurs, je crois que j'ai la même. Hein. Au bout d'un moment, tous ceux qui sont sur PC, de toute façon, au bout d'un moment, ils ont la même. Fait passer Sardoche. Je sais pas c'est quoi sa maladie, à part être stuck gold et être complètement taré. Mais merci, Frifa. Pas de problème, merci c'est à toi. Attends, c'est toi qui fais les dons des fois ou pas, là? Les subs, et je te donne des, subs. Ben, merci beaucoup. On dit merci à Frifa. Hein. Un sub donné, 1 centimètre de gagné pour les jambes à Frifa. Voilà. C'est Téléthon, debout là-bas. Ah non. Merci Frifa. Merci beaucoup. Hop. Merci Frifa, ça a dit. Ah, attends, j'en fais passer. Et je vais pas tous vous faire passer puisque ça augmente. À chaque fois que j'en poste un, il y en a un de plus. Donc, pas tous vous faire passer. Allez, pourquoi ça descend pas là? Ouais, je fais passer TBJ, c'est bon. Salut TBJ. Allô? T'es un rappeur? Non, pourquoi? J'aime bien ce pseudo, cette pseudo de rappeur un peu, TBJ. Ouais, bah merci, je fais pas de rap. TBJ, ça fait un peu tabasser les... Vas-y, je vais pas finir la phrase. Raconte okay. Ton handicap. Moi, j'ai la même épaule que Mister V. Let's go! Monte ça! Je allez, mets montre. Quoi dans le chat discussion? Ouais, vas-y, monte ça. Putain, mais c'est du coup, ça s'appelle comment cette maladie? Bah, je sais pas. Je suis allé voir un dermato, il m'a dit rien du tout. Ah ouais, putain, c'est la même. Oh, le gros... Du coup, ça fait une tache avec des poils dessus. En fait, on dirait que ce truc-là est comme mystérieux. On dirait qu'on a mis de l'engrais à un endroit de ta peau. Bah ouais. Ou genre de l'huile de ricin. Ou le... Comment ça s'appelle le truc calvitie, là c'est le truc pour faire pousser les cheveux, mais à cet endroit. Peut-être qu'il y a un gros connard, tous les soirs, il te met un truc pour te faire pousser les... Sur le torse, pense à ça. Bah ouais. Mais j'ai d'autres taches comme ça sur mon corps, mais pas poilu. D'autres taches. Il n'y a que l'épaule. Bah là, sur l'épaule, il y a les poils et en dessous, il y a une sorte de tache. Ah ouais, je vois. Mais on dirait un... On dirait un vitiligo, un peu. Ouais, mais ils m'ont dit que c'était pas ça. Bon, bah... Et tu rases, du coup, ou tu laisses comme ça? T'en fous. Non, j'ai épilé une fois, mais... Mais en vrai, c'était nul, du coup, je laisse. Tu te rends pas compte de la chance que Mister V ait la même maladie que toi, genre. Parce que... Bah oui, c'est ouf. Du coup, ça décomplexe complètement parce que c'est quand même un des mecs les plus drôles d'Internet. Ouais. Qui a la même maladie classique. Non, en vrai, classique maladie, moi j'aime bien. J'aime comme bien. Ça, on peut pas se foutre de ma gueule. Ouais, tu dis que t'as la maladie de Mister V. Moi, je dis que j'ai la maladie de. Je dis que j'ai la maladie de Polanski, ça marche moins, hein, par contre. Ciao. Ciao, merci, ciao. Mec, pour les points. De rien. Allez, on tente. Respix. Non, faites pas attention à ce que je dis. Oh, calme. Chut. Salut. Alors, du coup, moi, le micro hyper fort, là. t'as un micro sourd. Attends. T'as pas un micro sourd? Non, j'ai un Logitech, je sais pas quoi, J Pro, X Pro, un truc comme ça. Oh, il est fort ton micro, là. Vas-y, ouais, je devrais le régler. Dis. Bah, du coup, en fait, moi, j'ai une forme de schizophrénie. Pardon, c'est mon rire nerveux. Alors,
Franchement, c'est pas comme ce que les gens pensent, parce que c'est pas la même chose. C'est pas du tout des voix dans la tête ou ce genre de choses. Et en fait, moi, en fait, en gros, j'ai un corps de émo, tu vois. Genre, en fait, je suis plus susceptible d'avoir une dépression et d'être déprimé, tu vois. Un corps de émo, ça veut dire quoi? C'est une maladie, ça, le corps de émo? Non, c'est juste que les émos, tu sais, ils sont dépressifs et tout. Et ben moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Non, je suis mental, alors. Plus mental que corps. Ouais, voilà, le mental, mais t'as compris. Ouais, okay. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Y a, genre, par exemple, j'ai du mal à m'orienter dans la pensée, c'est-à-dire que j'ai un peu du mal à parler. Enfin, dans ce que je dis. Attends, il y a Nouna qui rigole de... C'est bon, je l'ai calmé, c'est insupportable. Non, vas-y, dis. Et je prends un traitement pour ça aussi. Ça fait 2 ans maintenant. Et en gros, c'est arrivé à mon adolescence. Et non, mais dis, image ta maladie. Explique pas là en termes truc. Alors, en gros, c'est rien de très compliqué. Hein, c'est, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont quand même. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois. Parce que je me suis pas sur, trop, sur le Twitch, oui, je connais un streamer en S qui a des troubles de la personnalité, oui. Mais vas-y. Non, c'est pas trop la même chose, mais c'est voilà quoi. Et en gros, voilà, je suis susceptible de déprimer plus. J'ai un peu du mal à parler. Genre, en fait, quand je construis des phrases, c'est un peu des mots qui arrivent au hasard, tu vois. C'est un peu spécial aussi. Genre quoi ? Je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, quand je construis des phrases, genre j'ai des mots aléatoires qui viennent. Genre, c'est pas un flux de pensée normal comme les autres, tu vois. Enfin, Bon, là, vu comme tu parles, en plus, tu dois être. Je sais pas, tu dois passer dans un live, je trouve que tu parles normal, là. Ouais, mais c'est genre, je suis pas à mes capacités 100%, tu vois, par rapport à avant je pouvais mieux. Il y a un mec dans le chat, il va dire un banword qui kick le. Genre là. Genre là, il s'est fait chier à raconter sa maladie. 40 minutes, il va me dire. Non, mais c'est chiant parce que là, vu que je suis traité, ça va. Mais genre, voilà, c'est rien de très. C'est juste que je trouvais ça marrant de dire que j'ai une forme de schizophrénie. Et mettre un peu la lumière sur ça, tu vois. Ouais, schizophrénie. Enfin, du coup, c'est pas vraiment schizophrénie. Non, c'est pas la schizophrénie, mais ça s'appelle une forme de schizophrénie. Il nous a hype, il nous a dit. C'est dommage. Je m'attendais à qu'il y ait un mec et ton double qui soit à la cuisine, en train de faire la cuisine, et toi, t'es sur l'ordi, un truc comme ça. Et aussi, il y a mon traitement, en gros, ça me fait perdre la mémoire. Ouais, mais ça, c'est ça, tes rails là aussi, hein, si je peux te dire, c'est handicapant. Et j'ai pris 25 kilos et tout, tu vois. Genre, oula. C'est... Bon, là, t'inventes de plus en plus de symptômes. Non, je t'assure que mon truc, il m'a fait prendre 25 kilos, genre. C'est dingue. Quel truc? Donne, parce que moi, j'ai du mal à prendre du poids, là. Donne le médicament. En vrai, c'est où tu prends des cachets par jour ou tu te fais des injections tous les 3 mois, tu vois. Ouais, il est piqué. Ouais. Oh, il se pique pour la muscu. Oh, ouais. Les galantes. Il se pique. Marvel Fitness. T'entends là? Putain, ça me dégoûte, piquer pour prendre du poids. Vas-y, tu me dégoûtes. Ouais, tu voilà, soulèves combien aux haltères? J'arrive même pas à soulever mon propre poids. Vas-y, t'es piqué. Va te piquer aux hormones. Non, mais il me dégoûte, le mec. Non, vas-y, merci. T'inquiète, merci, pote. Ciao, connard. C'est pas méchant. Ciao, mec. Hein. Non, attends. je préviens au cas où. Hein. Parce que moi, je suis peut-être un peu trop à l'aise des fois. Alors. Théo, si tu veux nous dire ta maladie, viens vocal. Hein. Je t'ai vu là. Merci Zefran. C'est quoi ta maladie? Handicap plutôt. C'est pas maladie, c'est handicap les gars, au fait. Parce que je dis maladie depuis tout à l'heure. Donc. Ouais. T'es muet du coup? Il fallait bien qu'il y en ait un. Hein. C'est un handicap hein, en vrai d'être muet les gars. Tu peux parler via langue des signes ou pas? Il m'ignore. C'est fort. Il est très très fort. Eh ben, il va dégager. Palpe! Et bonsoir. Salut mec. Alors, un handicap à nous dire pour faire rire la galerie? Alors, j'ai un petit handicap. Même un gros. Enfin, un petit gros.
Ouais. En fait, j'ai un testicule un peu plus gros que l'autre, voire même beaucoup plus gros. Ça, c'est du bon. Ça, c'est du... Putain, ça fait chier, je peux pas le montrer. Ah, pas de photo, là. Ça va être... Bon, je vais le chercher sur... On le fait tous en même temps, le chat, comme ça, on regarde tous en même temps. Testicule plus grosse que l'autre. On cherche en même temps, les amis. Alors, en fait, ça m'est arrivé... Enfin, ça a commencé quand j'étais adolescent. Ouais. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas trop normal, quoi. Attends, c'est pas... comment ça va comme ça? T'as dit à qui en premier, par exemple? À mon daron, normal, tu vois. Genre, Et genre, on est allé chez le médecin pour voir un peu ce que c'était. En fait, ça va, c'est rien du tout. C'est pas grave du tout, mais il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste, t'as une testicule qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Et les autres, genre, tu peux opérer uniquement si c'est grave dangereux ou si c'est vraiment trop énorme. Ah, ils t'ont pas opéré? Non, en fait, ça va assez vite, tu peux vivre avec, quoi. Putain. Tac. Oh là 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 là. Ces deux petites clochettes, là, quand ça cogne contre le cul, oh là là, ça va faire du bruit. Hein. Ouais. L'autre, elle doit faire du bruit plus que l'autre. Hein. Pff. Oh, le truc pour ouvrir la porte. Non, mais en plus, tu vois, par exemple, pour Ken, il y a certaines positions qui sont moins agréables que d'autres, du coup. Non, mais est-ce que... Genre une couille, c'est... elle est grosse deux fois plus, c'est quoi, à peu près? Deux, trois fois plus. Ah oui, trois fois c'est... plus. Ah ouais. Non, c'est balèze. Et pour l'anecdote, en fait, genre j'ai tous mes potes qui sont au courant de ça. Donc trois fois plus, c'est une boule de mammouth, frère. Bah non, c'est gros. C'est une boule de mammouth. C'est plus qu'un mammouth, c'est plus qu'un mammouth. Je peux te dire, lèche ma boule de mammouth. Il dit ça aux meufs. Hein. non, c'est grave. Attends, c'est vraiment une boule de mammouth. Moi, j'ai mes potes, en fait, ils m'ont donné un surnom, tu vois, ils m'appellent Pamplecouille. Ça, non, là, non, ça n'a pas, ça a pas vraiment la taille d'un pamplemousse. Ça veut dire que tu leur as montré en plus. Bah, en fait, je vais te raconter une anecdote vu qu'on est, là pour ça de toute façon. Ouais. En gros, on était à un nouvel an, tous bien bourrés. Et on commençait à jouer à un jeu assez rigolo qui s'appelle Bitoucouille. Je sais pas si tu connais. T'as de la chance parce que jeu de la biscotte, je t'aurais dégagé. Hein. Non. En gros, okay, Bitoucouille. Attends, un jeu Bitoucouille, j'ai l'impression que c'est un jeu bien blanc. Un jeu bien gouère, bien blanc. Mais vas-y, continue. Alors, en gros, le but, c'est de montrer une petite partie. Enfin, une partie, en tout cas, pas tout, mais de soit ta bite, soit tes couilles. Et les autres, ils doivent deviner, tu vois. Ouais, c'est chiant. Ouais, d'accord. Tu vois, bon, c'est assez galerie, enfin, surtout quand t'es bien bourré. Et du coup, lors de ce jeu-là, tu vois, j'ai montré genre une grosse partie. On a fait, normal, tu vois, c'est une bite. Et en fait, là, c'était une couille. Bref, voilà. Du coup, depuis ce jour-là... Devinez le fruit, hein. Il a posé sa couille sur la table, il a fait toucher à ses potes. Hein. Depuis, on m'appelle Pamplecouille maintenant, quoi. Il a mis une pomme à la suite et ses couilles à la fin, ils ont touché la couille. Ah bah, très très bon. Bon, dommage qu'on peut pas mettre de photos, on aurait beau courrier, mais bon. Dommage. En PM, si tu veux. En quoi? En PM, si on voit. Et on voit le after ciné, hein. De toute façon, on s'en fout, on voit pas ta tête, personne te saura que c'est toi. Ça marche pas, Manque la discussion, hein, si tu veux. Les autres, ils la verront. Moi, je trouve... Ouais, non, je suis peut-être un peu pudique en vrai. Je vais pas envoyer ça. Bah, en vrai, s'il n'y a pas ta tête, tu fais ce que tu veux, frère. Hein. Je vais pas te... Ok. Je vais pas te forcer à envoyer des photos des parties intimes, sinon ça va finir en trait de Twitter. Allez, bonne chance. Allez, merci. Alors, bon, une couille. On a eu quand même pas mal de maladies sympas. Hein. Alors, Fema, qu'est-ce que t'as commandé? Allô? Oula, là. Attendez, je quitte Twitch. C'est bon, on m'entend? Ouais, on t'entend. Alors, moi, j'ai un truc, c'est pas vraiment une maladie, c'est plus une malformation. En gros, j'ai été opéré à la naissance parce que j'avais un archi-gros truc aux artères. Ouais. Genre, elles étaient mélangées, c'était un peu bordel. Comment ça a mélangé? Et du coup, ça fait que. Un Jenga. Hein? Comment ça a mélangé? Ouais, c'est ça. C'était Twister dans le bidon. C'est... Non, mais c'était... Et du coup... Comment ça, c'était mélangé? C'est quelle maladie, ça? En gros, là, il y avait l'une de mes artères qui normalement devait servir à évacuer le sang sale et non oxygéné, qui était mal placée, ce qui faisait qu'elle faisait circuler le sang propre, et du coup, ça faisait que mon sang se salissait, quoi, qui transportait pas les bons trucs. Ah, est-ce que ton sang est changé de couleur, du coup? Ça je sais pas parce que du coup genre j'étais à opérer, j'avais genre un mois quoi, aujourd'hui j'ai plus de séquelles ou rien mais enfin, un mois. T'expliquer.
Oh. Ouais, c'était vraiment, j'étais genre, j'étais un mioche, hein, c'est... C'est de la triche, hein. Et genre... Et du coup, ça fait que j'ai la seule séquelle que j'ai depuis, qui est quand même assez grosse, c'est que à cause de l'opération, ça m'a laissé une giga cicatrice sur le bide. Je crois que j'ai la photo, je peux l'envoyer sur le Discord. Montre, montre, montre. Attends, je... Mais c'est de la triche. Moi, je pensais que vous avez des... Bon, après, si c'est un, si, c'est vrai, c'est un handicap, si t'as une grosse cicatrice. Pas, j'en verrai après, mais en gros, j'ai une giga cicatrice sur le bide qui était genre 60 points de suture à peu près. Et en plus de ça, ce qui est, à cause de l'opération, ça m'a aussi un peu écarté les côtes. Ce qui fait que déjà, je suis archi maigre. Alors en plus, avec les côtes, on dirait vraiment que je suis genre un enfant du tiers-monde, quoi. C'est genre, je me nourris bien et tout, mais on dirait vraiment que je suis à deux doigts de claquer, quoi. C'est genre, mes côtes sont ultra apparentes. Ouais, après, moi aussi, vu que je suis maigre, elle se voit. Bon, après, ça dépend. Je sais pas comment elles sont, toi, genre. En même temps, c'est le... Bon, je sais pas, j'ai pas vu la photo, mais... Écoute, je vais essayer de la trouver, j'en verrai dans le Discord après. Attends, va, tu vois, là, je vais déplacer dans le truc libre... Non, je vais déplacer dans le After Ciné. Dès que t'as la photo, tu vas dans Vocal Libre. Comme ça, je le verrai. Ok, bah, je sais. Tu décales dans Vocal Libre. Ok, parfait. Non, en vrai, préparez des photos, les gars. Si vous avez un truc visuel. Enfin, après, faut pas abuser, mais. Attends, mais The Front, t'as déjà vu, connard. Omni. Oui. Salut. Tu es raciste? Je sais pas, ça dépend des jours, je crois. Allez, dis ton handicap. Alors déjà, j'en ai deux. Le premier, tu vois, c'est que j'ai un souci au niveau du zboob. Pause, t'as 10 boob là. Ouais. T'as 10 boob. Ouais, mais c'est pas très grave, ça va. On est en 2022, on dit bit, on dit plus boob. Ok, bah alors bit, bah je pisse en double. Théo, il est encore à l'époque 10 minutes à perdre. Hein. Ah, vas-y, maintenant, mais continue. Là, je me suis foutu de ta gueule ouvertement, mais là, tu peux continuer. Non, mais c'est pas grave. Du coup, tu vois, je pisse en double. Du coup, quand j'ai la flemme, bah. Quoi, quand tu pisses en double? Bah, ça part en double jet, tu vois. C'est Splatoon. Mais ça, c'est. Ça, c'est parce que t'as. C'est le Phimosis aussi. Bah, écoute, j'en sais pas trop. Je sais pas trop, en fait, les noms scientifiques, mais en tout cas, j'en fous partout. C'est un carnage. C'est le Phimosis. C'est ton, okay. Ton, le trou de la bite, elle peut pas être en deux fois. Il n'y a pas deux sorties. Non, c'est genre divisé. Ouais, c'est assez spécial. Il y a deux trous différents. Non, mais tu vois, je sens que c'est à l'intérieur. Tu vois, je sens que c'est à l'intérieur et que ça part un peu en double jet. Et t'es sûr que t'as pas attends, du coup, t'as pas un caillot à l'intérieur qui sépare le jet en deux? Tu te dis pas ça? Bah écoute, j'en sais rien, peut-être qu'un jour j'irai... Toi, le mec il pisse en double partout, il y en a partout dans les shots, je dis, oh j'en sais rien, je m'en fous, de toute façon j'ai nettoyé avec une serviette. Oh, ouais, c'est un handicap avoir le docteur, c'est bizarre en vrai. Il est malade. Oh, il y a une pamplecouille dans le chat. Oh, il a montré sa couille, hein, pour ceux qui veulent voir dans l'after ciné. C'est bon, on l'a vu. Et du coup... Jure, c'est une canette le frère, il a une couille canette. C'est assez immonde. Hein. Non, mais là, désolé, mais ça coule, c'est une canette. Oh là là là, là tu la mets au frigo là. Putain, elle est vraiment énorme. Et du coup, le deuxième handicap, c'est un peu dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est que j'ai mon meilleur ami qui se surnomme JC. Bah, il trouve ma daronne très bien conservée en gros. Allez, va te faire enculer, c'est pas handicap. C'est un handicap. Bizarre. C'est un handicap. Allez, laisse-nous. On travaille là, je travaille. Là, on dirait pas, mais je travaille là. Merci beaucoup, Omni. Et d'ailleurs, elle est très très bonne, ta mère. Elle est très très bonne. Moi aussi, j'ai envie de la baiser. Allez, hop, je l'ai dégagé. Je l'ai dégagé juste avant. Et JC, t'as bien raison, mec. Rince-toi l'œil. Ah putain, la couille. Ceux qui veulent la voir, c'est After Ciné. Vous remontez en haut, hein. Vous vous débrouillez. Merci, hein, le mec qui a montré sa couille.
Ah bah il l'a supprimé, je crois. Et tant pis pour vous. Oh, tout à l'heure, le mec a montré... Regardez la cicatrice au ventre. Ouais, encore, ça va. Elle est pas si... Je m'attendais à pire, genre. Après, j'avoue, on dirait deux jambes collées, du coup. Ça va, en vrai. Il y a juste les deux trous, on dirait... Ouais, c'est juste les deux trous, en fait, qui sont un peu chiants. Ouais, ça va. Je m'attendais... Je pensais que c'était une cicatrice en plein milieu du ventre. Ça va. Iron Man. Vas-y. Va hop. Te faire enculer. Encore pas... un qui n'assume pas faux qu'il envoie les photos, le chat lui dira. Ok, hop. Je déconnecte. Gérard, t'es déjà passé, non? The Franc, il est déjà passé. Bon, bah, Vento, il est muté. C'est quoi ce pseudo, là? C'est quoi ce pseudo, là? Bonjour. Pourquoi tu t'appelles Nympho en pseudo? Nymphéa. C'est pas Nympho, c'est Nymphéa. Okay, bref, très bien. Ouais. J'ai des photos. Comment ça, t'as des photos? Alors en fait, non, mais déjà, handicap... Attends, faut commencer par la maladie et après on dit qu'on a des photos. C'est bizarre un peu. C'est pas vraiment une maladie. Ok, non, c'est pas vraiment une maladie. Okay, vas-y. Mais quand j'étais petite, mon père m'a littéralement presque arraché le doigt. Genre, tu vois la porte, il me l'a fermée sur le doigt. Vraiment. Okay. Mais du coup, c'est comme si j'avais un doigt débile. Genre, tu t'entends bien avec lui ou c'était... Non, c'est pas ça, c'est juste que je passais ma main sur les murs et elle s'est coincée là où il fallait pas, quoi. Là, il l'a fait exprès. Et le pire, c'est qu'il a forcé sur la porte en mode, bah dis donc, ça ferme pas, c'est bizarre. Mais c'est pas vrai, là. Elle va se fermer, cette porte. Non, mais vas-y. Du coup, t'as plus de doigts. Si, non, j'ai un doigt. Mais il a l'air un peu débile. Je sais pas comment dire ça. J'envoie sur le... Non, montre le doigt. Let's go, on va voir un doigt pété. Ok, ça, c'est mon doigt normal. Ok, c'est mon doigt normal. On n'a rien reçu, là. Ça s'affiche dans discussion. Okay, attends deux secondes. Je le prends. Vas-y, ok. Et là, ça va être mon doigt, c'est le doigt d'honneur. Et ça se voit pas trop, mais quand même. Genre, il a une sorte de bosse vraiment bizarre. Mais attends, du coup, je tiens pas... Ça s'est coupé, t'as allé aux urgences après, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, de ce que je me rappelle, parce que j'avais vraiment 4 ans, quoi. J'avais l'ongle qui s'est décollé, mais vraiment décollé. Et en fait, mon doigt, il s'est, comment dire, soigné de par lui-même. Et du coup, ça fait une petite bosse. Mais il faudrait que je fasse un autre angle. Parce que vraiment, il y a un si, trou. Tu la vois, la bosse, là. Si, si. Tu la vois sur la droite. Vraiment, il y a un trou. Et du coup, je tiens pas mon stylo ou mes couverts comme tout le monde, en fait. Du coup, j'ai la réglée. Elle est trop nulle. Elle tient pas ses trucs. Let's go. Bon, ça va. Du coup, voilà. Ça va, mais 4 ans, tu t'en quand rappelles je le montre, plus, en vrai. Bah, je me souviens juste du sang, des glaçons sur mon doigt, les urgences, et j'avais la main complètement... Si la prochaine fois, il y a un live, j'en sais rien, il y a quelqu'un qui fait pareil que moi, là, ce que je fais là. Au lieu de mettre tes doigts propres, là, tu mets plein de terre sur tes doigts avant et tu lui montres la photo comme si de rien n'était. C'est un conseil d'ami. Non, mais là, je me laisse nettoyer quand même pour le live parce que je me suis dit... Ah, non, mais laisse plein de... Faut être genre, un live, mais non, un live à Squeezie, genre. Imagine Squeezie, tu lui dis... Il fait ça, là. Il fait mon truc... Non, mais après, je bouffe la terre. C'est compliqué, tu vois. C'est... Non, mais tu mets je plein bouffe de la terre et, sous, et, mes, sous et, mes ongles. Et tu fais genre comme si de rien n'était. Genre, tu avais monté une photo. Moi, je te dis, c'est pour l'entertainment que je te dis ça. Ok, pas de souci. Je ferai ça la prochaine fois. Ça sert à rien d'être propre sur mon live. Ne vous lavez okay. pas. Merci, Nymphéa. Il n'y a pas de souci. Je déteste le pseudo, hein. Je déteste le pseudo. Zefren, j'ai déjà passé. Zefren, je te déconnecte, c'est déjà passé, mec. Razer, comment tu vas, mec? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, ça m'entend.
Alors, c'est quoi ton handicap là? Alors, moi, c'est spécial. Attends, un peu. Deux secondes. Je banne de l'after ciné les mecs qui mettent une photo random en mode on est en 2012. Hein. Vous permettez? Genre lui là aussi. Tiens, hop, ça c'est pas drôle. Je banne les mecs pas drôles de l'after ciné, juste deux secondes. Qui mettent des mèmes en random là. Hop, voilà. Y en a c'est bon? Voilà, vas-y, raconte ton handicap. Vas-y, en gros, moi, ça fait 4 ans maintenant, je crois, 5 ans. On m'a diagnostiqué une maladie du cerveau, genre. Waouh! Ça s'appelle la sclérose en plaques, ça s'appelle. Pas si tu connais. C'est connu comme nom, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, en gros, dis-toi, c'est la première cause de handicap en France. Mais, il est top 1 handicap! Ouais. Non, mais en vrai, ça va. Genre, tout va bien. Alors, mais attends. Parfois, quand je fais des crises, c'est chaud. Attends. Genre, je perds toutes les sensibilités. Genre, je peux plus sentir des choses dans mon corps. Genre, parfois, ma main, je la sens plus. Ou, par exemple, je sais pas comment dire, mais genre, je sens plus la température parfois. Genre, ou j'ai des fourmillements, des trucs comme ça. C'est crise, c'est ça une crise. Chaud. Ouais, mais il y a plein de trucs. Genre, à un moment, ça a commencé, je voyais double. Je sais pas, je voyais tout en double. Et genre, c'était. Ouais, il y a des trucs, c'est chaud, tu vois. Mais ça va, là, heureusement, tout va bien. Genre, je prends mon traitement et tout. Ça se passe bien, mais ouais, il y a des fois... Depuis combien de temps tu prends ton traitement? Ça fait 4 ans maintenant. Genre, tu vois, j'ai des perfusions tous les mois et tout. C'est à l'hôpital. Mais c'est toute une journée, c'est chaud. Mais vas-y, en vrai, ça va. Voilà. Tu l'as eu à quel âge? J'avais 14 ans quand je l'ai eu. Là, j'en ai 18. Oh, vas-y, ça casse les... Non, mais ouais, le brevet, je l'ai passé, ma main, je la sentais pas, c'est quoi. J'arrivais même pas à tenir mon stylo quand je l'ai passé. C'était avant temps, mais... Ça s'amplifie quand t'as du stress, non? Ouais. La chaleur, le stress, t'as plein de trucs, ça s'amplifie, c'est chaud. Mais ça va, là, je vais bien. Bon, bah, tant mieux. Bah, franchement, bon courage, mec. Je crois que t'es... Ah ouais, t'es... Une des plus... J'ai regardé sur le live, t'es en train de regarder le... Bah, je regarde le truc parce que je savais pas. Ouais, le truc, ouais, mais par contre, c'est chaud. Hein. Ça attaque les neurones et tout. Bon, ouais, ça attaque tout. Parce que moi, on a une. Il y a écrit Dio dans la cacao que c'est à peu près les mêmes symptômes qui cassent la tête, mais toi, ça doit être encore plus dur. Donc, désolé à toi s'il y a écrit Dio des fois dans mais les. Non, mais... Ça doit. Je regarde même pas les commentaires, mais en vrai, vas-y, merci. Hein. Merci, mec. Comment ça, tu regardes pas les coms? Là, je sais pas, j'étais sur ton live, là, je regarde juste. Ah ouais, bah non, en vrai, t'insultes pas, mec. Hein. Ça non, va, t'inquiète. Après, il y a des bouffons. Oh. Hein. Merci, non, mec. Non, t'inquiète, ça. Vas-y, bon bisous. Elle était hard, celle-là. Je vais me mettre. Attends, j'avais commencé par le haut. Dulsa. Ça va, Dulsa? Dulsa. Dulsa. Putain, je t'entends pas. Ah, tu m'entends là. Alors. Ouais. Dulsa. Elle est là. Ouais, je t'entends. Ah, c'est bon, t'es là? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ton handicap? En gros, c'est une torsion des couilles. Wouhou! La torsion des couilles! La torsion des couilles! Ça fait quoi? C'est quoi? C'est comme. Parce qu'on avait dit avec Tibro, genre, quand tu dors, t'as la couille étouffée, là? Ouais, c'est exactement ça. Tibro, il l'avait eu aussi. Bah en gros je dormais et j'ai eu un mal de couilles intense. Attends, c'est pas un handicap, c'est juste pendant un soir t'as eu une torsion des couilles. Bah en gros est-ce qu'on peut considérer que c'est un handicap parce que si t'en as une, c'est enfin en gros t'es forcément t'es forcé d'en avoir une si tu en as une. Dans ta vie t'en auras forcément une. Non. Non. Ah. Bah, si tu veux, je raconte, après, sinon... Non. On passe à autre chose, hein. Non.
Ah, bon, bah, bonne journée alors. Bonne journée. Va te faire... Insultant en plus. Insultant en plus. T'écoute. Salut Moulago ! Ouais, salut. Let's go ! Let's go Moulago ! Vas-y, raconte ton histoire. Alors, gros big up à celui qui a une grosse couille, là, je comprends. Déjà. Raconte l'handicap. Alors, moi, ça n'a rien à voir, c'est par rapport à la bouffe. Vas-y. Donc, ça sent arriver. Est-ce que tu sais ce que c'est un trouble comportemental de l'alimentation ? C'est un... Non, je sais pas. En vrai, j'ai déjà entendu le truc, je crois, dans les... Dans c'est un nom de merde, mais c'est plus facile. Allez, dis. Bon, en gros, je sais pas bouffer, j'aime rien, quoi. Oh non, non, t'es juste difficile et chiant là. Non, là c'est version un peu, genre la version plus quoi. Parce qu'on me l'a lâché quand j'étais gamin en mode difficile, il va grandir. T'as pas de goût ? Bah en gros, j'ai pas de goût, il y a des textures je peux dans pas. Le palais genre, par exemple, je sais pas moi, t'imagines un bon gros steak bien saignant là, ouais. Bah moi je te le mange pas quoi. Mais non, mais arrête, mec. Mais t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. Bah, je sais bien, mais je sais pas bouffer. Il y a chacun ses problèmes, quoi. C'est plutôt handicapant. Mais moi, tu sais, c'est quoi ? C'est tes parents qui t'ont mal cuisiné. C'est de leur faute. C'est de leur faute. Ils t'ont cuisiné, là, des pâtes pourries, là. Sodebo, là. Ils t'ont mis des pasta box. Hein, moi, je vais te faire... Oh là là, tu vas venir chez moi. Je vais te redonner. Je vais te soigner ta maladie, moi. Bah voilà là. 1 sur 10 ta maladie. 1 sur 10. 1 sur 10. Non mais faut voir aussi, attends. T'as pas honte ? Mais attends, honte de quoi là ? Allez, courage mec. Bah non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'aimes pas la bouffe ? T'aimes pas la bouffe ? Bah ouais, mais ça peut être chiant quoi. Dans la vie de tous les jours, c'est super chiant. Hein. Le problème, non. C'est qu'il y en a plein. Il y en a pas mal qui l'ont version hardcore comme moi et qui... Bah, qui se font... tu sais, genre, ils savent pas, quoi. Faut voir des médecins, faut voir. Il y a des médecins qui s'occupent de ça. Et tu prends des médicaments pour Non, il y a pas de traitement. C'est plus psychologique qu'autre chose. On appelle ça des médecins nutritionnistes. C'est les gros qui y vont de base. T'es déjà allé dans un super resto qui fait de la bouffe gastronomique ? Oui, ça m'arrive une fois. Mais le problème, c'est pas une question de resto. Parce que du coup, je fuis tout ce qui peut. Bah, je fuis les restos en gros, quoi. Dîner de famille, dîner entre amis, je peux pas, quoi. Bah, ça se trouve, justement. Si t'allais au dîner de famille, peut-être qu'il y aurait de la meilleure bouffe. Ça t'éviterait de manger tout seul. C'est un cercle vicieux, ton truc. Du coup, tu manges. Oui, c'est un cercle vicieux, hein. Et même avec tes potes, t'as pas bouffé ? Ah non, je peux pas. Ah voilà, mais tu du coup, vu que tu bouffes pas avec tes potes, tu passes pas un bon moment ? Ah, c'est compliqué. Bah, ça dépend, ils sont au courant. Heureusement, j'ai des bons potes, quoi. Et ils bouffent pas à côté de toi, du coup ? Hein ? Ils bouffent pas à côté de toi, du coup ? Non, je viens des heures différentes ou des trucs du genre, quoi. Ah, moi, je peux pas t'aider, hein. Ah non, mais y'a pas de... Je peux pas t'aider. Ah si, attends, j'ai peut-être quelque chose pour t'aider. Patiente 2 secondes. Attends que je retrouve. J'ai un traitement qui peut marcher. Hein. Mais ça marche pas avec tout le monde. En gros... Attends que je te retrouve ça. C'est depuis combien de temps que t'as ça ? Je suis toujours. Ok, tu vas regarder mon chat, tu regardes mon live plutôt. Ah, ok, qu'est-ce que tu penses de ces magnifiques petits chicken fingers? Là, ça te donne envie, non? Ah là, attention. J'ai le droit d'être honnête ou pas? Tu commences à avoir faim, on est d'accord. Franchement, les trucs comme ça me donne pas du tout envie. Ouais. Déconnecte, va te faire foutre, ça dégage, casse-toi. Putain, les chicken fingers, quoi. Les chicken fingers, les gars. Il est nul. Nul. Allez, on en fait passer un dernier. Après, je pars Fall Guys. Un dernier. Que je fais Am, Stram, Gram, Pic
et pics et collégrammes. Et en fait, il faudrait que je trouve celui qui est depuis longtemps. Lui, je le vois depuis longtemps. Attends, je vais move celui-là. Bah, pourquoi je peux plus move ? Attends, j'essaie de move, j'arrive pas. Oh, Amaya ! Amaya ! Amaya ! Pff, oh, la pépé de Peaky Blinders. les pépés de Peaky Blinders, sérieux. Sérieux. Bon, alors, Amaya, là. C'est ça ton handicap, la pépé de Ringarde ? Oh ! Eh ben, les PPP Killblinders, ça a l'air de faire les shows, là, machin, on a une PP, ouais. Fucking Peaky Blinders, on est viril et tout. Bon, au final, on voit qu'en vocal, ils parlent pas, quoi, hein. C'est dingue, hein. Hydrox, je l'ai fait passer ou pas, les gars ? PP Peaky Blinders, alors que la PP Twin Peaks. On dégage ceux qui n'aiment pas les Chicken Fingers. Merci, merci, très bien dit, Fifax, merci beaucoup pour le sub. Hydrox, je l'ai fait passer ou pas ? Ok, je le fais passer. Hydrox. Parlez là. Hydrox ! Non, allez, j'arrête. Hydrox. Je l'ai réveillé. Hydrox ? Il a un handicap. Ça le réveille pas. Tant pis. Ciao Hydrox. Supura, je l'ai déjà vu. AG. C'est vrai que AG, je le vois depuis tout à l'heure. Allez, AG. AG, t'es le dernier. Salut, pota. Non, c'est grave de faire ça. Non, c'est très grave de faire ça. Allez, casse-toi. Gérard. Et putain, pourquoi j'arrive pas à move Gérard là ? Eh, y en a, j'arrive pas à les move, frère. Mais non, Gérard. Gérard. Tu m'entends, Gérard ? Gérard. Oh, baisez vos mères un peu, hein ? Oh ! Salope! T'as peur, hein? Ruff! Ruff! Mais c'est sérieux! Kebab! Oui, allô? T'as un handicap à nous dire? Voilà. C'est le dernier! Oui! Vas-y. Alors, c'est un peu lié à Moula Gaufre, là, qui peut pas manger grand chose. Ouais. C'est genre, j'ai une phobie des bonbons, genre. Vraiment, j'en vois. Genre là, je suis tranquille, tu vois. Il y en a, il est sous mes yeux. Ah ouais, l'handicap pourri. Ouais, mais c'est de la grosse merde, hein, surtout à l'école. Genre là, je suis tranquille, au moins, je suis en... Comme ça, d'un coup, tu vois, genre. Non, arrête. Non, c'est vrai, je te jure. Mais phobie des bonbons. Tout type de bonbons. Ouais, tout. Mais en plus, même, genre... En fait, c'est psychologique. Donc, genre, même si un anniversaire, il laisse un papier de 40 barres, genre, je suis en mode... Genre, ça me... Ça vient ça me gêne, quoi. Depuis que t'es gosse, je sais pas. Ouais, depuis toujours, ouais, c'est trop bizarre. Attends, regarde discussion 2 minutes. Ouais, bah non, là ça va encore, mais je t'avoue que je vois ça en vrai, ça me met pas bien, tu vois, genre. Donne-moi ton adresse que je vienne et je t'amène des dragibus. Alors, 06, ah non, c'est pas ça, non, ouais. Non, par contre, dragibus, non, ouais, non, vrai, c'est... J'ai mis une photo. Ah, merde, ah, c'est dommage. Ah, désolé, j'ai mis une photo. En vrai, en photo, maintenant, ça va, tu vois, parce que j'ai réussi. Mais genre, IRL, genre, vraiment, ça me met pas bien essaye du tout, essaye d'en bouffer un jour. Ah ouais, non, mais genre, impossible, en fait. Allume ta cam et va au marchand de journaux et t'en achètes un. Allez
Allez, je fais un live à la Madros, genre je me filme. Filme. Va au marchand de journaux, t'en prends un, tu le manges et tu le mets dans ta bouche. Ah, je peux pas, je suis désolé. Hein. Sors. Je vais faire une crise, tu vois. Genre. Allez, surmonte ton handicap, on est là pour ça, mec. T'es le dernier, tu passeras en live, t'es le dernier, il faut marquer l'histoire, là. Je peux pas, je suis désolé. Je peux. Vous avez pas de couilles, hein. Vous avez vraiment pas de couilles, ma commune. Ah non, mais c'est. Je sais pas, c'est vraiment une phobie très grave, quoi. Mais c'est pas très, très grave. Voilà. En fait, c'est pour ça que ta phobie elle est grave, c'est parce que toi tu l'interprètes grave. Bah, je sais que c'est un truc psychologique, tu vois, mais c'est dur. Pas si tu dis que c'est grave, genre. C'est mec. C'est vrai. C'est des bonbons, je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas quelque chose de ouf, tu vois, mais. Allez, prends la cam. Tu vas au marchand de bonbons et tu manges un bonbon, un seul. Et j'aurais sauvé quelqu'un, au moins un gars dans ce live. Non, mais tu. En vrai, ça peut faire un clip classique où je vomis, tu vois, mais je vais vraiment. On donne le courage. Allez. Tu veux que j'aille? Mais après. Mais pour y aller, ça va me prendre 10 minutes, tu vois. Eh ben, tu vas. Là, je te move dans After Ciné. Tu peux filmer, tu vas dans Vocal Libre. C'est ce que je veux dire? Ok. Du coup, tu m'as. Fais-le vraiment. Non, mais fais-le vraiment. Je veux bien tenter, vas-y. Tu l'achètes pas encore, tu t'es devant le truc de bonbons et on te dit lequel prendre. Un film en dehors. Ah ouais, ah ça peut être une aventure de ouf en vrai. Vas-y, je vais au Carrefour. Vas-y, va dans vos calibres quand c'est bon. Okay. Pas de peau mouillée. Hein. T'inquiète, je le fais. Attends, je le connais lui. Hein. Si poule mouillée, on l'a retenu. Hein. Kebab, poule mouillée. Hein. Poule mouillée s'il ose pas. On va en faire en attendant. Non, mais Kebab, il a pas compris. Je lui ai dit d'aller dans Vocal Libre quand c'était bon. On va attendre en attendant. Martel Fantomada, attends. Fantomada, mec. Ouais, allô? Salut, c'est quoi ton handicap? En gros, c'est compliqué. J'entends des voix et genre je les parle et tout. Ah, tu me parles en fourche langue, mais. Enfin, genre. Je parle pas depuis tout à l'heure là. Mais non, mais genre en gros, c'est. Je parle pas depuis tout à l'heure. Ah. T'es vraiment malade, hein. Enculé de sa mère, enculé de ta mère. Je peux continuer pourquoi, du coup. Pourquoi tu parles pas depuis tout à l'heure? Mais non, mais bah si, je parle, allô. Mais tu m'entends? Mais depuis tout à l'heure, il y a des blancs, je sais pas, je parle pas et tu. Bah non, mais. Salope. Bon, continue là, tu laisses des blancs. Bah là. Du coup, bah non, mais non, mais c'est, je suis stressé et tout. Ouais, vas-y, continue. En fait, genre, je. Enfin, non, c'est non, tais-toi. J'ai du mal. En fait, j'ai du mal, mais genre, c'est... Mais il y a des voix BHHHH, mais wow, on n'entend rien. Bah, en fait, ça m'arrive tout le temps, ouais. J'écoute ta maladie, je lis le PDF. Et genre... Enfin, en fait, ça peut arriver tout le temps. Et du coup... Ah, vas-y, c'est les voix... Attends, par contre, ça peut être marrant. C'est les voix de qui? Est-ce que t'entends la voix genre de Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault au milieu de la nuit? Non, enfin en fait non, c'est pas des personnalités ou autre, tu vois, non, c'est vraiment genre c'est des voix qui se créent dans ma tête, tu vois. Et ouais, c'est voice mode dans ta tête, c'est classique. Bah ouais, enfin et du coup en fait c'est genre... Fais comme si c'était une voix genre ce que t'as, ça va briser, en fait enfin... tu vas la répéter la phrase et ça va briser le handicap. Tu veux que je répète? Mais en fait, tu vas te foutre de ta gueule de ta maladie et en fait, ça va casser la maladie. Mais enfin, non, mais en fait, c'est pas si simple que ça parce que comment dire, ces voix-là, elles me poussent à faire un truc qui est pas bien, tu vois. Enfin, elles me poussent au suicide et tout, tu vois. T'es un super mec.
T'es un super mec. T'es un mec super. T'es un mec super. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Je crois que ça va mieux, là. Putain. Bah, du coup, en vrai, c'est un peu le truc de la schizophrénie de vraiment, là, non? Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai pas encore fait de diagnostic pour savoir si c'était ça. Mais genre, ça m'arrive régulièrement et tout. Et combien de fois par jour ou semaine, j'en sais rien. Que ça m'arrive? La fréquence, ouais, la fréquence. Tout le temps, enfin, genre, je sais pas comment te le décrire, mais genre, ça peut arriver. Ça peut arriver 15 fois en une journée, comme une fois, comme. Et le tu casses les couilles avec Voice Mode. Tu casses les couilles. Non, mais genre, j'avoue, frère, va voir un docteur, parce que là, tu laisses en mode 15 fois par jour, mec. Bon. Là, c'est. Mais. Le mec là, sur Discord, il est chiant, là. Non, franchement, va voir un docteur. Il y a sûrement. Justement, j'ai déjà été. J'ai pas vu un docteur, mais genre. Enfin, non, j'ai pas vu le docteur pour justement diagnostiquer ça. Je vois des psychologues et tout, et. Du coup, ça m'aide un peu, tu vois, à calmer ça, tu vois. Mais t'as aucun. J'ai pas de traitement, j'ai rien, tu vois. Traitement, je pense qu'il y en a quand même pour calmer, parce que 15. Et genre, enfin, j'arrive à ne pas leur parler, tu vois, parce que vraiment, des fois, je peux avoir des. Ça paraît con, mais genre, je peux parler avec. Pendant 2-3 minutes et tout avec eux, et des discussions qui n'ont aucun sens, et des fois, ils me disent, ouais, va te suicider et tout, tu vois. Nous, on fait pareil avec écrit sur Discord, parce que sa voix est insupportable, il nous casse les couilles. Et les gars, donc on fait semblant de pas écouter, donc t'es très fort mentalement. Et je pense que même si tu rejoignais la Cacabox, tu serais encore plus fort parce que ça t'entraînerait en fait. Donc, écoute, va voir traitement parce que franchement, essayer de trouver un rendez-vous et tout. Je suis d'accord psychologiquement, mais je pense qu'il y a quand même des trucs pour calmer les crises. Oui, mais. Justement, j'ai vu des trucs pour calmer les crises et tout. Et après, je fais aussi, vu que j'ai vu une sophrologue, du coup, je fais beaucoup de contrôle au niveau des exercices de respiration et tout, justement pour pas m'enflammer, parce que genre, je me suis enflammé il y a pas longtemps et j'ai pris un rasoir et je me suis taillé de partout sur le bras droit. Et du coup, je suis allé en hôpital et après, du coup, je suis là. Et du coup, je me suis dit, c'est bien d'en parler. Va te faire foutre, Hugo. Va te faire foutre. Il a aucune peine, ce chien. Hein. T'inquiète, il y a des gens qui ont aucune peine, hein, c'est normal. Attends, mais t'as des potes ou pas? Ouais. Et t'as la voix pendant que t'es avec tes potes? Ouais. Ah ouais, mais c'est... Là actuellement, j'en ai une, mais je préfère pas. Tu vois, je leur parle pas, tu vois, parce que sinon après, ça me déconcentre et ça me stresse plus qu'autre chose. Mais tu me mets dans l'embarras là, parce que je sais pas quoi dire du coup. Merci. Et enfin de base, je voulais parler de ça et aussi. Pour dire, parce que du coup, je te suis depuis longtemps et genre juste continue comme ça. Et ouais, merci. Je regarde moi, Hugo. Hugo aussi, on va pourrir la voix dans ta tête et on va lui tabasser la gueule comme je dis. Okay. Après, fais gaffe parce que du coup, ouais, je me dis, si tu vas au docteur et qu'il te prescrit des médicaments, faut pas que la voix, elle te dise de prendre trop de médicaments. Justement, c'est pour ça que j'ai un suivi là, avec un psychologue. Tu vois. Michel, du coup, je sais qu'il est là, mais en gros, là, je parle avec le mec. Là. Un peu de respect quand même. Donc, merci, Fantomada. Ouais, t'inquiète. Merci à toi. Merci. Hop. Bon. Alors, kebab. Bon, changement d'ambiance complet, je suis désolé, sans transition. Kebab, je t'entends pas là. C'est normal. Et je vois pas ta cam là. Elle marche pas ta cam là.
Kebab. Oh non, me dis pas que t'as pas de coup. Hein. J'espère que t'as une bonne 4G, frère. Je t'entends pas et je vois rien là. Oh le flop. Kebab. Oh, il est pas là. Il a déconnecté carrément. Je pense qu'il a pas assez de coups. Hein. Oh. T'as de la coup ou pas? J'entends pas là. Hein. Si t'es sur ton téléphone, je te conseille d'aller dans les paramètres de micro ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que t'as fait. Rectaka, mais Rectacam, les va, reva dans vocal libre après. Et le micro aussi, parce qu'il marche pas. Tiens, lui là. T'as eu Dieu d'eau. Comment ça? Comment ça va? Pardon. Mais quoi ton handicap? C'est Elise et Moon? Tu veux t'en séparer? J'ai envie de vous vous voyez, pour moi voyez-vous. Ah, né, 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 bon. Ça va te faire plaisir, Dieudo, cette petite musique. Oui, oui, ça me fait très plaisir. Attends, bon, je mets la musique. Ah, c'est trop chaud. Non, franchement, ça me fait trop du bien, merci. T'inquiète, j'en ai besoin, ça me fait trop plaisir. Donc déjà, bah, je vais enlever plusieurs faces d'identité et je vais genre mon prénom. Parce que c'est pas, ça, là, j'écoute la musique. Ouais, bah attends, mais tu vas devoir entendre parce que j'ai un gros handicap là. Attends. Voilà. Je peux dire mon handicap ou pas? Rien ne vaut le vent. Allô? Arrête-moi cette dent, putain! C'est bon, c'est coupé. Ouais. Bon, d'accord. Vas-y, raconte-moi ton handicap, mec. Bah, déjà, premièrement, c'est un handicap parce que, genre, bah, pas vraiment un handicap, mais c'est mon prénom. T'appelles comment? Bah, je m'appelle Robinson. Donc, quoi, c'est chaud, ah, j'étais sûr que ça allait me donner. Stop! Insupportable! Stop! Et sinon, mon handicap, c'est que quand j'étais petit, j'étais nymphomane. J'ai pas entendu, désolé. J'ai dit, quand j'étais petit, j'étais nymphomane. Bon, allez, va te faire foutre avec tes handicaps, toi. Non, mais son handicap. Kebab, c'est bon, t'es là, là? Kebab, j'en supplie. Kebab, on est en 2022. Un téléphone qui fait micro et un téléphone qui filme. C'est grave. Et ça marche toujours pas, frère. Ça le règle pas, son truc. Tiens, lui. Je vais prendre... Oh, la PP, frère. Attends, la PP, c'est grave. Non, vas-y, t'as pépé, mec. Allez, Mad Max, là, allez. Mad Max. Oh, c'est grave, hein. Ils sont allés partis chier, là. Il est parti. Il avait pas les couilles. Les gars sont handicapés, c'est qu'il avait pas les couilles. Let's go. Kebab, toujours qui règle pas son problème. Allez. Kebab, je vais arrêter, hein. Ou d'un moment. Là, j'ai laissé longtemps, Kebab. Hein. Allô, tu m'entends? Ouais, vas-y. Ouais, du coup, moi, c'est beaucoup moins grave que celui qui entendait des voix. En fait, j'ai des handicaps scolaires. Genre, je suis dysgraphique, dyslexique et dyspraxique, du coup. Beaucoup de 10. Ouais, beaucoup de 10, ouais. Attends, dis-moi, on a vu... Donc, dyslexique. Dysgraphique, on a vu, hein, c'est pas dingo. Hein.
Ok, un autre. Ok, désolé, désolé. Dyslexique, du coup. Ouais, c'est un nouveau, les gars, on l'a débloqué. Autre. Et après, dyspraxique. En gros. Oh là là, ça aurait été un classique, je viens de voir ce que Proto a dit. T'aurais dit, je suis dysgraphique, dyslexique et, et t'aurais dit 10 notes à la fin. Ouh, le classique intersidéral. Bouh, t'as raté la blague. Dommage. En gros, j'ai ça depuis que je suis tout petit, à peu près, genre, je crois, on a détecté ça depuis que je suis en CE1, je crois. Ouais. Et du coup, la dysgraphie, je pense que tu sais, du coup, j'écris genre beaucoup moins vite que tout le monde. Genre, ce que j'écris, c'est limite illisible, tu vois. Ouais, vas-y, fais un exemple. Parce qu'on nous compare avec une ancienne photo, là. Écris quelque chose. Attends. Je peux aller chercher mon tel, parce que du coup, je l'ai pas sur moi, là. Ouais, vas-y. Et genre, je t'envoie une photo de ce que j'ai écrit, par exemple. Attends. Là maintenant là. On a un comparatif avec l'autre con. On va voir qui est le plus dysgraphique. On va faire un concours, les gars. Tu sais, le mec malsain. Vous allez noter celui qui est le plus dysgraphique, les gars. Vous êtes prêts? Ok, c'est bon, je suis là. Vas-y, envoie ta photo et compare avec l'autre. Attends. En gros, j'ai essayé de m'appliquer, tu vois, sur celle-là. On fait un tournoi. Tournoi de dysgraphie. Vas-y. Je sais pas si c'est la bonne qualité, mais attends. On voit la discussion. Ouais, ce que je fais, mais déjà, je vais Discord est lent sur le PC, sur téléphone. Je vais mettre l'ancienne, je vais mettre celle-là. Oh putain, il a pris la photo en 4K, 2080p. Peut-être elle est floue, parce que du coup, frère, j'ai un point de téléphone. Ouais, elle est grave floue, attends. J'en prends une. Non, ouais. attends. Là, c'est pas de la dysgraphie, là, c'est un Samsung tout pourri, là. C'est un Xiaomi. Putain. Je suis pas assez en voix. Ouais, là ça se voit. Mais j'écris. Enfin, là, j'écris un peu large, mais j'écris un peu comme de la merde, tu vois. Gauche ou droite. Attendez. Putain, mais c'est trop chiant de redimensionner sur OBS, frère. Oh là là, ouais, je me suis souvent fait vanner quand j'étais petit, du coup, mais... Ah ouais. Du coup, j'écris à l'ordinateur en cours. Il y a un moment, je te jure, il y avait du vent à un moment donné. Alors, j'essaye de lire. C'est un truc du conseil de classe, en fait. Genre, je suis délégué, du coup, j'écris... 10, faut-il... D'ailleurs, menu de monsieur Berdis. Non, mesure de monsieur Demic. Voyage en Allemagne. Anomalie, durcissement. Que... non-vérité. Bordel, salope. Irlande, défaut, livraison, acheter mes produits. Entrée, propos. Bon, là après, c'est plus possible ici. Ouais, en gros, j'étais au conseil de classe et du coup, je notais vite fait genre ce qu'il faisait, mais c'était assez dur parce que j'écris assez longtemps. Et je pouvais pas utiliser mon PC parce que... Attends. T'entraînant, ça s'améliore pas. En fait, je m'entraîne plus beaucoup parce que du coup, à partir de la 6ème, j'ai un truc qui s'appelle un PAP en gros. Genre c'est un plan d'accompagnement personnalisé, je crois. Ouais. Et en gros, j'écris tous mes cours à l'ordinateur depuis la 6ème du coup. Bah c'est con du coup. Bah du coup en fait ça me permet genre d'être... Non mais je suis d'accord, mais si tu fais que par l'ordi, du coup ça soigne... Enfin ça aide pas non plus à que tu sois un peu... C'est ça un peu le problème, tu vois, mais... Ouais, ça se trouve, c'est incurable, j'en sais rien, mais bon... J'ai fait genre des... je voyais une orthophoniste, je crois, je sais plus comment elle s'appelait. Genre c'était une dame, du coup, qui me faisait faire plein de signes bizarres sur la feuille quand j'étais en primaire. Genre, je la voyais genre une fois par semaine, tu vois. Mais crois gamé genre... Mais tu vas pas utiliser tout grâce à ta maladie, mec. Ouais, non, mais c'était pas vraiment ça. Mais en gros, genre, je faisais genre des... Genre, par exemple, soit j'écrivais plein de lettres, soit je faisais genre des formes. En fait, j'essayais de faire en sorte que ma main écrive normalement, tu vois, mais ça passait parce qu'en fait, c'est genre. Ergothérapeute. Je me fatigue un peu. De quoi ? Ergothérapeute, ça dit. Je crois que c'est ça. Ok, et ensuite, t'as. On a fait un épisode. Encore deux. Dyslexie, bon, on connaît. En gros, quand je lis mon. En fait, c'est parce que c'est lié à une autre maladie qui s'appelle la dysorthopsie. En gros, quand je lis. De temps en temps, tu vois, quand ça je lis assez combos, vite. Carrément. Ouais. mon cerveau, genre, remplace automatiquement un mot qu'il voit par un autre mot, tu vois. Genre, quand je lis assez vite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, quel mot remplacé par quel mot ? C'est pas vraiment des mots un peu compliqués, tu vois, mais genre, par exemple,
j'ai pas d'exemple. Si tu me sors un texte, peut-être que ça se verrait. Parce que du coup, je t'écris un texte. J'écris un texte. Mais généralement, tu vois, je lis assez normalement. Mais ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, tu vois, soit mon cerveau, soit en fait, je saute des lignes sans m'en rendre compte. Soit juste un mot en fait se remplace par un autre, mais genre qui est pratiquement le même. Je sais pas ce que je veux dire. Je vais regarder DM Discord. Ouais. Tu peux lire cette phrase, voir. Vinaigre, le bon vinaigre, bien juif. Là, tu vois, c'était pas une phrase genre compliquée, mais quand il y en a beaucoup, beaucoup. Mais j'ai écrit jus de fruit, t'as dit juif. Ah ouais. Là, lis là, lis le mot là, lis le mot. Jus de fruit là. Là, voilà, jus de fruit. Là. Voilà, on est d'accord, j'ai écrit. Ouais, jus de non fruit, mais. J'ai dû me concentrer un peu, tu vois. Mais non, ce que je veux dire, c'est que par exemple pour le bac de français, tu vois. Ouais. Genre enfin la personne était au courant du coup parce que j'ai passé mon oral il y a pas longtemps. Mais quand même, genre en mode. Quand je me prépare à lire un texte, tu vois, je dois le lire genre 3 fois en avance avant de bien réussir à lire à haute voix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que du coup, mon cerveau remplace entre guillemets des mots, un peu. Bah après, moi, j'ai, enfin, je pense pas que c'est abusé autant que toi, mais moi, je sais rien si je suis dyslexique, je me suis jamais fait diagnostiquer ou quoi. Mm-hmm. Mais en termes de, des fois, ouais, j'ai du des, faut que je sois bien concentré des fois. Mais après, moi, c'est plus des troubles de la concentration parce que je suis assez speed. Ouais. Et ouais, du coup, le dernier, là... C'est de la dyspraxie. Bon, ça, c'est un peu le moins grave, si je peux dire. Mais en gros, c'est au niveau de la coordination des mouvements. Genre là, pour le coup, j'ai vu des spécialistes et j'ai un peu travaillé dessus. Mais en mode... je sais pas si t'avais fait du step, peut-être, au lycée. Du step ? Ouais, du step. En gros, c'est un sport un peu de merde où genre, tu montes sur... une sorte d'escabeau et après tu redescends et en gros genre c'est pour plein de trucs comme ça mais en gros j'ai eu plein de problèmes en gros au niveau de la coordination des mouvements par exemple si tu peux pas faire des moves trop compliqués ou genre d'ailleurs. Il monte sur un escalier, il peint un mur et il redescend. Non, c'est un peu un sport de merde qu'on fait au lycée du coup, mais en gros genre j'arrive pas à coordonner par exemple mes mains et mes pieds genre en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas du tout extrême du tout, mais en coup, mode tu tombes. Non. Non, c'est pas vraiment ça, c'est juste en mode genre attends. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais il y a des trucs où je peux pas genre réussir à faire alors que des personnes arrivent à le faire genre normalement, parce qu'en fait j'arrive pas à coordonner genre bien mes pieds et mes mains en même temps. Je sais pas ce que je veux dire, genre c'est un peu non, pas vraiment clair et du coup je vois, hein, t'inquiète. Et par exemple tu vois ce qu'ils font genre sur ce qu'a envoyé Abra genre dans discussion, je sais pas si tu vois. Abra discussion, ouais. En gros genre par exemple le truc qu'il fait avec le pied et la main, si jamais genre tu le fais en rythme et assez vite, bah il y a des moments où je galérerais de ouf à le faire parce que genre j'arrive pas à coordonner mes trucs. Tu peux jouer genre au foot ou des trucs comme ça. Ouais, je peux jouer au foot, y a pas de problème, tu vois, par exemple, par rapport à ça. Bah, je sais pas, le foot aussi, c'est de la coordination, c'est tirer au bon moment, enfin, je sais pas. Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est beaucoup moins extrême. Et par exemple, quand j'étais petit, je m'étais inscrit au foot et genre, je galérais sa mère, tu vois. Quand j'étais petit, c'était encore plus extrême par rapport à ça. Mais genre, j'avais vu des spécialistes et du coup, voilà. Et non, je suis juste venu parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dyslexiques ou autre comme ça. C'est juste, ils sont pas au courant et du coup, faut aller voir des spécialistes, tu vois. Parce que bon, c'est un truc qui se traite un peu et genre les gens peuvent. Ça dépend. Surtout... Ça dépend la puissance du truc. Si ça t'handicape vraiment dans la vie, oui, je suis d'accord. C'est surtout à l'école, tu vois. Genre c'est des trucs futiles. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée de se faire diagnostiquer parce que ça va t'angoisser de savoir que tu as une maladie comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, perso, ça va très bien. Enfin, je ne me trouve pas genre, différent des autres. Non, mais il y a des gens, tu vois, ils peuvent se sentir mal d'avoir une maladie. Après, évidemment, si c'est un truc qui t'handicape vraiment beaucoup, oui. Bah, par exemple, j'ai vu la diff au niveau des notes ou par exemple comment je prenais des notes en cours, tu vois. Ouais. Genre, j'ai vu la diff par rapport quand j'avais eu ménage et management, tu vois, un PAP, etc. Quand j'en ai pas eu du coup. Et c'est juste un truc qui se traite et du coup voilà. C'est beaucoup moins sérieux que par exemple le mec qui a des gros dents, mais voilà quoi. Moi par exemple, on dit pas. Enfin, je dis pas à Hugo Délire qu'il a un cancer pour qu'il profite des derniers mois, tu vois. Je lui ai pas dit parce que je veux. Ouais, je comprends. Donc c'est pour ça que je dis ça. Après, c'est une maladie un peu grave, du coup, faudrait peut-être lui en parler. Enfin, non, on s'en fout, qu'il aille. Ciao Hugo. Okay, bon, merci à toi. Merci à toi en tout cas. Ciao. Vas-y, bonne journée. Et je crois qu'il y a Kebab qui est dans Vocal Libre. J'ai le move. Vas-y, mec. Ok, Kebab. Ah. Kebab, allô. Dis-moi que t'es devant le. Non, mais j'ai pas pu parce que. Bouh. Je suis désolé. Je sais pas. Bouh. T'es même pas, t'as pas de 4G en 2022. 4G. Si. Mais si, mais en fait, t'arrivais pas à me démute, ça marchait pas.
dehors. Si je te démute, t'étais démute, c'est juste que tu parlais pas. Ah bon? Ah bon? Si, je parlais. Non, là t'as, tu m'as... Je t'assure, mais c'est pas grave, de toute façon là j'ai les bonbons chez moi là. Oh, j'ai les dragées de... ça, let's go. Oui, bah oui, faut que tu me donnes les droits de mettre la cam. Ah, comment on fait? Stream film, je crois. Vas-y, essaye là. Voilà. Ça va? Attends deux secondes, attends, je vais fumer la truc. Vas-y, vas-y. Ouverture de fenêtre. Ils sont là. Putain, comment on sépare la cam? Bon, tant pis, je vais partager Discord, ça ira plus vite. Ouais, vas-y, fais ça. Je les tiens comme ça parce que si je les tiens pleinement, je suis dégoûté. Donc je les tiens vraiment il a peur. Sur le bord. C'est un truc radioactif. Hein. Oh, mais ça me fait chier, ça veut pas... Ça veut pas mettre la source par-dessus, là. Ah, j'ai un problème, attends. Je sais même pas comment ouvrir cette merde, attends. Attends, l'ouvre pas. Ok, je suis un... Oh. J'ai un problème, c'est que la source, elle veut pas s'afficher, mais bon. Capture de fenêtre, je le refais. C'est bon, je crois que c'est bon. Capture de fenêtre, descend. Ici. Je mets en dessous de ma cam. Oh, putain. Désolé, c'est parce qu'on m'obèse depuis tout à l'heure. J'ai mis plein de photos et tout. Ouais, t'inquiète. Hop, j'enlève les deux photos. Merci pour le sub. Ok, il est là. C'est qui le connard qui a dit j'ai la voix de Théorus là? Alors, voici. On voit pas sur le live. Si, on te voit là. Ah, c'est bon, parfait. Bah, regardez, je les ai, c'est bon. Regardez ce gros mytho qui a même pas peur là. Ah, il a même pas peur. Quoi? Alors, je suis bien l'acteur, mais en vrai, je suis terrifié. Hein. Attends, comment on ouvre? Ouais, c'est même pas ouvert. Oh, non, c'est bon. La honte. Hein. Oui, bah, j'ai jamais ouvert ça de ma vie, c'est bon. Tu ressembles à... Tu sais, à qui tu me fais penser? Tu fais penser à Taour de la K-Corp. Je le connais pas. C'est vrai que j'ai un peu une gueule de... Ouais, alors. C'est Taour. Hein. Il allait dire une connerie. Là, c'est le moment où je commence à regretter d'avoir fait ce challenge de merde, hein, parce que j'ai vraiment de voir. Alors, je t'assure, rien que l'odeur, ça me dégoûte. Hein. L'odeur, mange-le, ça me... Mange-le, je vais me boucher le nez, fermer les yeux. Mange-le. Il va le manger, les gars. C'est... Oh là là, il a l'air délicieux. Miam, 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 miam. Pardon. Je réessaye. Tu l'as avalé? Non, je l'ai recraché. Attends, je réessaye. Un autre. Mais tu vas avaler. Je t'assure que c'est même pas du... C'est pas du troll, ça me dégoûte vraiment pour premier degré. Ok, ferme les yeux. Faut que je te mette une musique. Attends. Voice metteur. Allez. Attends, je te mets. Pardon. Ah, il va dégueuler, l'enculé. Attends, laisse-moi le temps. Déjà, reprends tes esprits là, je te trouve une musique parfaite, relaxante. Ok. Ah, je suis désolé, hein, mais je dois le faire pour vous. Je vais trouver une musique relaxante. Le paquet, il va finir à la poubelle, par contre. Hein. Jamais je bouffe ça. Ah, putain, j'ai encore le goût sur la bouche, là. Sur la langue. Dégueulasse. Hop. Genre, il n'y en a aucun qui te donne envie parmi. Hein. Le noir, justement, c'est celui qui me dégoûte le moins. Parce qu'en fait, c'est quand c'est vraiment, genre, coloré, ça me dégoûte de ouf. Là. Mais bah, même hors bonbon, ça t'étonne pas la couleur? Un peu, genre, par exemple, une fraise, ça me dégoûte un peu, quoi. Après ça va, je peux quand même en manger. Oh, une fraise, merde! Oui, bon, c'est vrai qu'ils boit un coup d'eau, il a raison. Ouais, prendre de l'eau. Là, pour l'instant, je prépare la musique de fou. Je ressens pas Cyprien, Hugo, il raconte quoi? Non, t'abuses, Hugo, là. T'abuses. Non, on finira pas tant que t'auras pas bouffé. Ok. Moi, je suis quelqu'un qui force les gens, t'as vu? Ouais, j'ai remarqué. Enfin, non, c'est pas bien de dire ça en ce moment. Ça va, dans le contexte, ça passe, mais dans d'autres... Ok, j'ai une musique vraiment relaxante et je vais parler avec une voix robotisée, c'est normal, c'est parce que je peux pas faire autrement. Vas-y. Hop. Tu me donnes le top départ. Ah, oh. Ok. Donc là, c'est une musique relaxante. Ok. Allez. On dirait une musique de Feldup, genre. Allez, ce bonbon, tu vas le bouffer ce bonbon, putain. Oui, allez, regardez. Allez, bouffe-le. Croque. Aval. Je l'ai avalé, c'est bon. T'as pas recraché, là? Je te jure que non.
Et bah maintenant tu vas mettre tout le paquet dans ta bouche. Tout le paquet dans ta bouche. C'est bon. Dommage, dommage. Allez, on le félicite tous dans le chat. Merci, merci. Ça me touche il vraiment. Il a vaincu sa phobie, la plus peur des bonbons. C'est quoi ton adresse? T'as l'air de vouloir mon adresse depuis le début. Donne ton adresse. C'est un peu bizarre, genre. J'ai pas trop envie de te la donner. Deux rues des Potiers, Tours. Envoyez-lui tous des bonbons. Amazon. Merci, merci, merci. Bravo, mec. Je range cette merde. Merci à vous, merci à vous. En tout cas, c'était un autre rôle, même si c'était genre pour la blague et tout. Je l'ai vraiment vaincu, genre. T'es le seul qui a eu les coups de montrer ta tête et qui a fait un truc. Et ben voilà, c'était marrant. Voilà, bah pas de soucis, mec. Pas besoin, merci à toi. Merci, t'étais le dernier. Merci, Pota. Merci, le chat. Je vais bien dégueuler maintenant. Ça va être cool. Tu nous montres, hein, s'il y a du vomi, tu m'identifies. T'inquiète. Vas-y. Ciao. Kebab le King. Kebab le King. Est-ce qu'on part sur... Terra, Hugo, je sais même pas s'ils sont là. On va club pro ce soir d'ailleurs avec Hugo et machin. Là. On va club pro FIFA. Machin. Ouais, je crois que Terra, il est même pas là. Pour Fall Guys. Y a même pas Grim. Je vois même pas connecté sur Steam. Ouais, y a personne. Ouais, ce soir, club pro. Les gars, faut que je vous... Juste avant, attendez. Je vais connecter mon téléphone et je vais vous montrer un truc dans mon appart. Juste avant, je vais remercier. Merci Moulago pour les 2 euros. Courage Kebab. Merci Droua pour les 2 mois. Merci Multiflip pour les 8 mois. Merci El Bigorno pour les 8 mois. Merci Hugo pour les 9 mois. Merci beaucoup. Maintenant tais-toi. Merci Bézig, j'avais pas vu. Désolé Bézig. Merci Madrose. Ah putain, j'ai pas vu les deux. Désolé Madrose et Bézig. Merci Fifax pour les 5 mois. Merci Lily Churuma pour les 2 mois. Drops pour les 2 mois. Et Zouzi pour les 6 mois. Bon les gars, restez là. Faut que je vous montre un truc sur le dans mon appart. Là. Comme ça, en plus, vous allez voir Karim peut-être. Va te faire enculer. Ils viennent pas les Losers pour un Valorant? C'est ce soir sur le live Hugo. On va faire Club Pro. Ce sera Club Bro eSport. Hop. Attendez, faut que je prépare une scène. Hop, 2 secondes. Hop, cam. J'espère que ça va marcher quand même. Avec l'hôtel. D'ailleurs, ça va marcher. Ok. Merci la canapé rose pour les 9 mois. Bon, attendez. Bon. Est-ce que vous m'entendez, les gars, là? Je suis avec le téléphone. Attendez, je regarde le retour. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon en termes image. Vous m'entendez bien, là? J'espère que la qualité du son est bonne, là, vu que c'est un téléphone. Et sur Discord, souvent, le son, il est tout pourri. Ok. Bon, au pire, tant pis, ça sera un flop. Il n'y aura pas de son, de toute façon, c'est fin de live. Bon, déjà, ça, c'est un appart à 2 500 € la nuit, comme vous pouvez le voir, le parquet, hein. Le parquet. J'ai pas éteint les toilettes, c'est pas grave, tant pis. Bon, attendez que je vous montre, parce que c'est une dinguerie, en vrai, là. Ce qui se passe dehors, c'est depuis la canicule, là. Attendez, hein. Bon, attendez, je vous laisse la surprise. Regardez ça, hein. C'est comme ça depuis hier.
tout comme ça depuis hier. Regardez, je vais mettre la main. Attends. Ah bon les gars, je vous donne, les gars. Je saute ou pas? Ouais, je vais le faire. Ouais, je vais le faire.